Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire deux petits mots le temps que les dernières personnes s'installent pour qu'on commence à l'heure. Bah, déjà, merci beaucoup d'être là aussi nombreux et nombreuses. Ça fait très plaisir de voir une salle aussi remplie. Merci beaucoup au Club de l'Étoile qui nous accueille toujours aussi chaleureusement. Merci à nos partenaires, la région Île-de-France et la BNP Paribas. Ça, c'était pour les remerciements. Je suis Rosalie Brun, je suis la déléguée générale de la SRF, la Société des réalisatrices et des réalisateurs de films, qui vous accueille ce soir. La SRF, c'est une organisation qui regroupe près de 500 cinéastes qui réalisent des courts, des moyens, des longs métrages, de la fiction, de l'animation, du documentaire, qui ont des parcours très, très divers et variés, qui se réunissent au sein de la SRF pour d'abord pour parler cinéma, pour parler mise en scène, pour organiser des soirées comme celle de ce soir, comme cette école, comme le ciné-club qu'on organise aussi une fois par mois au cinéma du Grand Action. Et c'est aussi une organisation qui défend politiquement les droits des cinéastes, la liberté, la diversité de création, qui se bat pour les salles de cinéma, pour la chronologie des médias, pour une meilleure rémunération des auteurs, pour autant de sujets aussi importants. Et ce soir, donc, on vous retrouve pour une école de la SRF, qui est un rendez-vous qu'on fait environ une fois tous les 2-3 mois. En général, c'est un moment de rencontre et d'échange entre réalisateurs autour d'un sujet de mise en scène. Aujourd'hui, c'est un peu particulier et c'est d'autant plus passionnant puisque c'est une rencontre entre cinéaste et chef opérateur. Donc merci beaucoup à Sébastien Buchmann, Simon Roca, Michael Herz et Antonin Beredjetko d'être avec nous. Et la rencontre sera modérée par Marine Francène et Chloé Duval, qui sont toutes les deux membres du conseil d'administration de la SRF. Voilà, donc je vous laisse la parole. Allez-y, vous pouvez applaudir si vous voulez. Je voulais juste vous dire à tous que la rencontre est retransmise en live sur Facebook et sur Twitch. Donc il y a des gens qui nous écoutent en live et qui pourront eux aussi poser des questions à la fin. Les questions sont retransmises sur scène. Et vous pourrez bien sûr vous aussi poser des questions. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, pour présenter un petit peu les invités que vous connaissez sûrement tous, mais pour refaire un petit peu un point, donc Antonin Beredjetko qui est ici, qui a fait donc 3 longs métrages, L'affiche du 14 juillet, La loi de la jungle et récemment La pièce rapportée, qui est avec son chef opérateur Simon Roca, qui a notamment également travaillé pour Lou Jeunet ou Virgile Vernier ou encore Axel Roper. Ah oui, aussi, oui. Oui, ok, je suis un peu stressée, excusez-moi, je me suis confondue entre les... Pardon. Mais en tout cas, Michael Herz, qui a donc fait 4 longs métrages, Memory Lane, Ce sentiment de l'été, Amanda et récemment Les passagers de la nuit, et du coup, Sébastien Buchmann, qui a donc travaillé également avec Valérie Donzelli, Nicolas Pariser et donc Axel Roper. Voilà, c'était juste pour refaire un petit point. Donc, moi, je dis bonsoir. Donc, je suis Marine Francène. On est très content de vous accueillir ici. Les écoles de la SRF, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est des moments de réflexion qui se font en public pour vous faire partager un peu toutes les phases de processus de fabrication d'un film. L'équipe qui s'occupe d'organiser les écoles ont choisi cette fois-ci le thème de la collaboration entre les chefs opérateurs et les réalisateurs. Et on s'est dit que c'était d'ailleurs presque étonnant que ce thème n'ait pas été traité plus tôt, parce que c'est vraiment évidemment au cœur de la fabrication des films, cette relation, puisque raconter une histoire au cinéma, c'est avant tout la raconter avec des images. Et du coup, on est très content de pouvoir entamer ce dialogue. On espère qu'il va être, on est sûr même qu'il va être riche et très intéressant, et que la réaction de la salle sera la bienvenue pour alimenter des questions qui ne seront peut-être pas posées durant le débat et qui peut-être seront aussi des moments pour vous de partager les questions qui sont peut-être liées à votre travail ou à votre vision de spectateur. Donc on va entamer le débat, puis interrompre un court moment pour passer des extraits. Et ensuite, on reprendra la suite des questions et on refera un dernier passage d'extrait un peu plus tard dans le débat.
Voilà, donc la première question qu'on a eu envie de poser aux invités, qui pourront répondre chacun à leur tour, vous pouvez prendre un micro chacun, c'était bien sûr de savoir déjà comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a permis à vos collaborations de durer dans le temps, puisque la spécificité en fait de ces deux couples de réalisateurs chefs opérateurs qu'on a choisi, c'est de travailler dans la longueur, c'est-à-dire qu'ils ont fait un travail, une collaboration qui a duré sur plusieurs films, ce qui n'est pas toujours évident dans les collaborations chef opérateur réalisateur. Donc je voulais poser déjà cette première question à chacun de vous. Antonin, tu veux, voilà. je comment vous êtes rencontrés? Bonsoir. Déjà On s'est rencontrés à l'école Louis Lumière, on était dans la même promo, donc on n'avait pas spécialement, enfin on n'avait pas énormément travaillé ensemble à l'école, enfin je veux dire au-delà des exercices que chacun devait faire de toute façon, mais c'est surtout à la sortie après où il y a eu des atomes crochus sur la manière d'envisager des images, sur la manière d'envisager le travail aussi, évidemment. Et puis, donc, on est sorti il y a très longtemps maintenant, c'est en 1999. Et puis, voilà, petit à petit, les choses s'affinent et durent dans le temps. Oui, moi, j'ai envie de dire un peu la même chose. Non, il y avait, je pense que... Qu'est-ce qui a permis aussi que ça dure dans le temps? C'est-à-dire que vous avez réussi à vous retrouver de film en film? Je pense qu'on est quand même... l'expérience venant est en commune. Je pense qu'il y a des questions aussi de désir et d'adaptation qui sont faites. Oui, après, c'est aussi une forme de symbiose qui se retrouve au moment du tournage, c'est-à-dire à la fois au moment de la préparation, certes, mais au moment du tournage, dans la manière d'envisager les plans, dans la manière de discuter aussi sur des plans, c'est-à-dire l'effet qu'est voulu pour, un plan qui est censé être drôle, par exemple, eh ben, on va discuter de l'axe de caméra et puis on va, ou de la hauteur de la caméra, et puis on va tomber d'accord assez rapidement sur ce que va vouloir dire le plan de telle ou telle manière. C'est-à-dire que ça va être aussi dans la continuité du film et pas seulement la beauté du plan pour le plan, qui serait à ce moment-là peut-être immontable ou qui va mal s'intégrer dans la scène, etc. Donc c'est là aussi où on s'est retrouvé, où on s'est aperçu qu'il y avait une complémentarité pour obtenir l'effet qui était voulu dès la préparation du film, en tout cas et dès l'écriture du scénario. Mais toi, donc, quand tu étais à Louis Lumière, initialement, tu avais déjà l'idée de réaliser ou tu avais envie aussi d'être chef opérateur? J'avais l'idée de réaliser, oui. Oui. Et donc, en sortant de l'école, j'étais d'abord assistant caméra. Et puis, y a un moment donné, j'ai préféré réaliser, en fait, la vraie... le passage où je me suis déclaré réalisateur, on va dire, c'est le moment où ça a basculé véritablement pour les assistants caméra de l'argentique au numérique. Donc je me suis retrouvé, grosso modo, je me suis retrouvé chez le loueur avec une caméra numérique quasiment pour la première fois de ma vie, puisque donc en 99 on faisait encore beaucoup d'argentique. En tout cas, Louis Lumière, c'est essentiellement la formation qu'on avait eue. Et j'ai pas réussi chez le loueur à allumer la caméra. Donc je suis allé voir le gars quoi à l'atelier. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, j'arrive pas à l'allumer quoi, cette caméra. Ah oui, bah oui, c'est normal, faut appuyer sur deux boutons à la fois, faut se mettre en mode ingénieur et puis t'appuies sur odd. Et là j'ai fait ok, je suis pas ingénieur, donc moi ce que je veux faire c'est du cinéma, c'est toucher la pellicule. Et là vraiment ça a été le déclic, je me suis dit ok, là, il faut que je réalise, parce que là j'en peux plus, enfin ça m'intéresse plus en fait le métier d'assistant caméra dans ces conditions, enfin avec le numérique. Disons qu'avant c'était ça qui m'intéressait, c'était vraiment la pellicule quoi, voilà. Donc c'est à la fois ça qui a fait la bascule, et à la fois aussi parce que j'avais fait des courts-métrages
qui tournait un petit peu dans les festivals. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Faut se jeter à l'eau. Et donc, voilà. Et est-ce que, par exemple, ça t'est arrivé de te dire qu'il fallait que tu décales tes dates de tournage prévues pour attendre que Simon soit disponible, ou inversement, que Simon, tu te bloques pour être disponible pour tourner avec Antonin? Ça, c'est pas trouvé que je sois bloqué, pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a des projets qui ont été repoussés, qui sont retrouvés, projetés dans le temps. On s'est toujours retrouvés. Enfin, ça allait. Il y a eu une fois, justement, pour un film Panique au Sénat, qui était donc un film tourné en relief avec deux caméras, où il y avait eu un. On avait failli. Justement, ne pas tourner ensemble. Donc, j'avais appelé plusieurs chefs opérateurs. Et les dates s'étaient décalées. Et puis, finalement, même quasiment d'un an. Et donc, on s'est retrouvés un an après. Mais à part ça, enfin voilà, non, il n'y a pas eu. Ça ne s'est pas présenté. Alors, Michael et Sébastien, du coup, on vous pose la même question. Comment vous vous êtes rencontrés déjà dans un premier temps? Alors, j'avais fait un premier court-métrage avec un autre chef opérateur, mais qui était réalisateur en même temps. Donc, bon, voilà. Au moment du second moyen-métrage, donc court-métrage, j'ai cherché un autre chef opérateur et j'ai vu un court-métrage dont Sébastien avait fait la lumière au Festival de Pantin. Et j'ai vu, voilà, dans ce court-métrage, qui était plutôt à base de paysages, dans mon souvenir, mais en tout cas quelque chose dont je me sentais infiniment proche, pas dans le film en tant que tel, mais vraiment dans ce qui était capturé dans l'image, en fait, dans le sens du cadre, dans la pellicule, puisque c'était un court-métrage qui était tourné en pellicule. Et c'est à ce moment-là, voilà, que j'ai contacté Sébastien. C'était en 2006, je crois. 2007, peut-être. Ouais. C'est un film qui s'appelait Primrosil, voilà, de 2006-2007. Et depuis, on a fait tous nos films ensemble. Voilà. Et du coup, vous avez toujours réussi à trouver aussi la disponibilité pour travailler sur des dates qui convenaient à chacun et à réussir à nourrir la collaboration dans la durée des projets, quoi. C'est-à-dire, Michael, toi, tu t'es jamais dit, ah tiens, peut-être ce projet-là, je ne sais pas, est-ce que je garde le même chef opérateur? Non, jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé, je crois, sur les emplois du temps. Enfin, de mon côté, en tout cas, mais je ne sais pas pour toi, Sébastien. Non, il y a quelque chose, voilà, qui s'est installé comme ça. Et non, ce qui est très précieux pour moi, enfin, ce que j'ai ressenti dès ce premier court-métrage, en fait, avec Sébastien, c'est qu'il y avait une espèce de nécessité, comme ça, impérieuse du plan. C'est-à-dire que je sens, quand on n'arrive pas à faire un plan, qu'il est vraiment aussi, aussi malheureux que moi. Enfin, donc, j'imagine que ça se joue à un autre endroit pour lui, à l'endroit de l'image. Mais voilà, il y a une espèce d'investissement que je sens, qui est quelque chose d'infiniment précieux, voilà, quand on tourne. Donc, j'ai eu envie de poursuivre cette relation. Et Sébastien, du coup, est-ce que toi, tu peux nous dire aussi la spécificité de ton travail dans cette collaboration-là? C'est toujours quand même le réalisateur qui choisit. Donc, mais après, c'est vrai que je suis toujours, j'allais dire, prévenu assez en amont. Enfin, il m'envoie les scénarios assez tôt, ce qui fait que je peux... assez tôt prévoir ou dire, bon, ben, là, entre cette date-là et cette date-là, il y a une grosse fourchette, on ne sait jamais trop, mais du coup, je peux refuser des choses qui risquent de tomber sur ce tournage. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et justement, sur un projet, on se demandait à partir de quand vous commencez à dialoguer. Est-ce que c'est justement à partir de cette version de scénario? Ou même, est-ce qu'en amont, vous échangez déjà des impressions ou des idées? J'ai l'impression que ça dépend des films. Et, par exemple, pour le dernier, je me rappelle qu'on s'est vu assez tôt. Les Passagers de la nuit, c'est tourné fin février, je crois, 2021. Et début août, on s'est croisés juste une journée. Mais ça a été une journée, je pense, très fondatrice, où Michael m'a dit qu'il voulait des images d'archives des années 80. Enfin, il y avait des choses qui, déjà, pour moi, me donnaient des pistes très importantes pour l'image et pour la production du film, pour la façon de le fabriquer, puisque ça voulait dire faire appel à des gens pour
les archives, pour voilà. Mais par exemple, j'ai l'impression que pour Amanda, ça s'est passé de façon plus, plus simple, comme la continuité du travail d'avant et qu'il y a. Il y a des films qui se font aussi plus rapidement que d'autres. Donc c'est vrai que plus on a de temps, finalement, pour préparer les films, plus on se pose de questions, d'une certaine manière. Amanda s'est financée très rapidement, très facilement. Du coup, je pense que voilà, il y a quelque chose qui s'est fait de manière assez naturelle. Les Passagers de la nuit, donc c'est, je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, mais c'est un film qui se passe dans les années 80. Donc il y avait évidemment plein de problématiques de reconstitution, donc de décors, mais évidemment aussi d'images. Bon. Et là, on a mis plus de temps, c'était un peu plus compliqué, et ça soulevait plus de questions, je pense. Il faudrait que tous les films sont différents. Et c'est aussi... Oui. C'est un film, paradoxalement, qu'on a fait en numérique. Voilà, alors, pas par choix, c'était vraiment aussi là une nécessité économique, à la base, parce que j'aurais aimé le tourner en 16 mm, ce film, dans sa globalité. Donc, il y a des choses qui sont tournées en 16 mm, mais c'est aussi le premier film qu'on a fait en numérique, donc il y a eu tout un travail de recherche sur la tessiture de l'image qui mettait en connexion plein d'intervenants avec lesquels moi j'avais pas eu l'habitude de travailler, qui étaient en amont du tournage sur le je sais pas comment on peut appeler ça, le look de l'étalonnage, enfin vraiment la matière même de l'image quoi. Et donc là ça mettait en jeu aussi plein de nouvelles questions voilà, mais par exemple, est-ce que tu fais lire des versions avant la version définitive à Sébastien ? Pas réellement. Disons que je lui fais lire une version qui est une version, je pense, la version de financement, à peu de choses près. Enfin, la version qui sert, on va dire, à financer le film. Et puis après, évidemment, comme d'habitude, on n'a pas assez d'argent. Donc, ça n'est évidemment pas la version définitive. Oui, et à partir de là, on réécrit les choses avec les scénaristes et aussi avec Sébastien, avec l'assistant réalisateur, enfin avec lequel on travaille avec l'assistant réalisateur tous les trois ensemble depuis donc une quinzaine d'années. Ensemble, c'est un espèce de trio. Et donc, on revoit toutes ces choses, évidemment avec le producteur, Pierre Guyard. Et il y a quelque chose où on essaie d'arriver à une version qu'on va pouvoir tourner. Et ça met évidemment en branle tous les secteurs du film et l'image notamment. Et du coup, Sébastien, est-ce que toi, tu arrives à cerner la particularité de ton travail avec Sébastien par rapport à d'autres collaborations avec Michael, par rapport à d'autres collaborations avec d'autres réalisateurs avec qui tu travailles ? Est-ce que tu sens que de film en film, il y a vraiment une singularité dans votre collaboration ou est-ce que ça se passe plutôt de Michael, lui qui tisse un chemin et toi, tu l'accompagnes dans ce qu'il dessine, lui, esthétiquement aussi ou... Je ne sais pas s'il y a une singularité, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une simplicité, j'allais dire. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on discute peu, finalement, de ce qu'on veut à l'image. Par rapport, je veux dire, moi, je compare par rapport à mon travail avec d'autres réalisateurs où j'ai besoin des fois même de savoir des références d'autres films, d'avoir des tas de choses. Et donc, des fois, on se donne presque des films un peu fétiches comme un horizon. J'ai l'impression qu'avec Michael, peut-être on a fait ça, mais encore, je suis même pas sûr. Pour Primrose Hill, enfin, on a en tout cas été plus j'expliquais plus ou peut-être il y avait un travail plus parce que je me rappelle que sur ce premier film, il y avait une inquiétude sur les nuits parce qu'on était en 16 mm et qu'il y avait pas mal de nuits. Peut-être il y avait plus de discussions sur ce premier film, mais j'ai l'impression qu'ensuite... c'est comme s'il y avait un postulat qu'on était d'accord. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas trop de discussion, finalement, sur les images. C'est plus sur la scène. C'est plus sur la séquence. Une fois que vous êtes ce qu'elle en va tournage, raconter. Quoi. Mais ce n'est pas trop sur le look de l'image ou sur l'image. Bon, à part le dernier film,
parce que c'était la première fois qu'on... Enfin, il y avait cette histoire de film d'époque. Il y avait aussi que c'est le premier film où il y a une partie du film qui est tournée en studio. Donc ça mettait en branle... Enfin, c'était... Et c'est pas quelque chose qu'on a fait jusqu'ici. C'est toujours très attaché. Enfin, Michael est très attaché au vrai décor et à la vraie géographie, on va dire. Donc, voilà, il fallait repenser toute la façon de fabriquer le film. Mais sinon, j'allais dire, à part ce film-là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, bon, c'est un dialogue, mais c'est un dialogue qui va, j'allais dire, qui va un peu de soi ou... Et donc Antonin et Simon, vous travaillez ensemble à partir de quel stade ? Est-ce qu'Antonin, tu fais lire des... Est-ce que des fois tu parles avec Simon sur un projet qui n'est même pas du tout encore écrit ? Est-ce que tu... Comment ça se passe ? J'en parle comme ci, comme ça, mais c'est vrai que en général, on commence à parler sérieusement découpage, mise en scène, quand la prépa est lancée. Parce qu'avant, il y a trop souvent des reports, des déconvenus d'un film qui se fait à la place de l'autre, ou des choses comme ça, qui font que ce serait du travail, de l'énergie pour rien. Et donc, et en plus, parfois déceptive, puisque justement, avant de ce que disait Michael, c'est-à-dire qu'avant véritablement de commencer la prépa, bah, on a un peu le film idéal en tête, et puis à un moment, on se heurte au réel, où on n'a pas assez d'argent. Donc, il faut couper des séquences, il faut parfois revoir le découpage en fonction des décors que finalement on peut avoir à la place d'un autre. Et donc, c'est à ce moment-là que le véritable travail commence. Mais disons que, en ce qui me concerne, moi, je fais toujours un découpage assez précis, enfin une sorte de storyboard, enfin c'est, je sais même pas si on peut appeler ça un storyboard, enfin des croquis quoi, on va dire, avec des personnages presque comme du fil de fer. Mais après on va sur le décor avec Simon et là effectivement on revoit le découpage en fonction du décor. Mais c'est véritablement à ce moment-là que le travail a commencé quoi. Mais parfois, dans les courts-métrages, tu expérimentes aussi des choses qui ont un enjeu technique. Oui, coup, voilà. Là, tu y penses dès le départ. C'est à l'origine du projet ou c'est, Oui, bah, par exemple, Panique au Sénat, donc, qui est en relief, en vrai relief avec deux caméras. Là, c'était à l'origine. C'était le but du film, c'était de filmer des jardins à la française en jouant avec les volumes, les reliefs. Donc là, c'était... dès le départ, en tout cas. Oui, c'est vrai que là, il y a eu une prépa peut-être un peu plus en amont que sur les autres films, puisque tous les deux, évidemment, on s'est renseignés sur le relief, les différentes façons de faire du relief, les différents procédés, des rencontres avec le stéréographe, qui va faire qu'on va discuter de l'intérêt de faire des plans, de la longueur des plans, etc. Et du coup, de savoir, dès qu'on arrivait sur le tournage, ou en tout cas sur le décor, ce qu'on voulait faire, ce qu'on pouvait faire, et comment améliorer le découpage et le scénario. Mais ça, c'est vrai qu'une fois qu'on est sur place, c'est-à-dire que je pense que ça nous est quasiment jamais arrivé d'aller tourner sans être allé voir le décor avant, ne serait-ce que la veille, par exemple. Mais, et pour refaire le découpage de la veille, qui est donc le storyboard, en fait, plan 1, plan 2, plan 3, dans quel ordre on tourne, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, de sorte que le lendemain, quand on arrive, eh bien, il n'y a plus qu'à déplier l'accordéon, quoi, si je puis dire. Et donc, les choses, si elles se passent sans anicroche, on tient la journée.
Et puis, parfois, il y a des choses qui se passent différemment de ce qu'on avait prévu. Et là, toute la réactivité commune qu'on puisse avoir, c'est de savoir rebondir sur l'imprévu. Puisque donc, une journée de tournage, c'est forcément gérer l'imprévu. Donc, ça va être, je ne sais pas quoi, on avait prévu qu'il fasse beau, puis tout à coup, il pleut. C'est des trucs tout bêtes comme ça. Ou le décor, finalement, il y a un problème. Je ne sais pas quoi. Enfin bref, on est obligé de s'adapter. Et ça, par exemple, sur l'adaptation à l'imprévu, sur les films, évidemment, à l'économie modeste, comme par exemple pour La fille du 14 juillet, j'avais bien prévenu à la fois le producteur et le dir prod. Je leur avais dit, surtout, il y a un truc, vraiment, je vous demande, et avec Simon, c'est pareil, c'est ne nous mettez pas devant le fait accompli. C'est-à-dire que, OK, il y a un décor qui saute, machin, mais attendez pas le dernier moment pour vous dire, sous prétexte que, oui, on avait pensé que, ça te stresserait, donc on a préféré attendre le dernier moment pour te le dire. Bon, ce qui est vrai. Mais je leur ai dit ça, non, parce que si je le sais la veille au soir... je ne peux pas rebondir, moi. Je n'ai pas le temps de me dire ah, demain, attends, comment on va faire parce qu'on n'a pas ce truc-là. Alors que si je le sais 5 jours avant, il n'y a aucun problème, je m'arrange avec la mise en scène. Et c'est ça, justement, le principe. Et ça, par exemple, je l'ai appris en faisant un making-of pour Audiard, pour Jacques Audiard. Donc, j'ai fait le making-of de Un prophète et puis de Rouillédos. Et effectivement, j'avais vu que, bien qu'il ait beaucoup plus d'argent que pour moi, les problèmes étaient finalement les mêmes que sur La fille du 14 juillet. C'est-à-dire que, des fois, il fallait composer avec le réel, qui n'était pas forcément ce qu'il avait voulu, Jacques. Et donc, il y avait ce truc-là où, avec son scénariste Thomas Bidguin, il disait, voilà, il faut toujours que, en fait, le scénario, c'est comme une bille en mouvement. Il faut toujours qu'elle soit en mouvement, de sorte que on s'adapte. On perd le décor, on tourne devant ou je ne sais quoi, mais il faut s'adapter pour ne pas prendre le scénario comme une bible, où n'importe quel fondamentaliste fait « Ah ben non, c'est ça qui est marqué, donc non. » Donc nous, on essaye justement de ne pas être des fondamentalistes du scénario et de s'adapter avec le réel qui est rarement comme on l'avait espéré. Je crois que d'ailleurs, dans les expériences du réel, tu as eu des bonnes expériences de transformation du réel, il me semble, à travers tes films, en tournant aussi bien en Guyane que sur ton dernier film où tu as eu une comédienne accidentée. Je pense que tu as dû apprendre à souvent rebondir avec beaucoup de... Oui, effectivement, en Guyane, par exemple, on a perdu des décors parce qu'on avait repéré des décors magnifiques et puis on arrive justement la veille pour vérifier le décor et puis il y avait un arbre qui était tombé, ça avait fait des dominos et il n'y avait plus de décor. En fait, il n'y avait que des arbres par terre. Donc, c'est pas de chance. Enfin, quelque part, on était content qu'ils ne tombent pas dessus. Mais en tout cas, il a fallu effectivement rebondir par rapport au réel. Mais même dans les averses, souvent, moi, effectivement, à la fois en Guyane et à la fois à Lyon, pour la pièce rapportée, on a filmé de très, très grosses averses qui sont arrivées. On voit une étendue d'eau vraiment où il y a des trompes d'eau qui tombent. Ça, c'était pas prévu au scénario. Et donc, c'est-à-dire que avant d'embarquer sur le bateau, on se dit on voit les nuages quoi. Donc, et moi j'avais dit attention, prenez les housses de pluie parce que s'il pleut, on tourne. On rentre pas là en se disant c'est marqué qu'il fallait qu'il fasse beau. Non, on se débrouille. On fait avec. Et effectivement, ça donne des plans que parfois, qu'on est fier d'avoir pu avoir. Oui, et des heureuses surprises aussi. Des heureuses surprises. Oui, parce que c'est ça, en fait, le réel, parfois, il n'est pas comme on veut, donc on le retourne comme un gant et puis on en fait ce qu'on a envie. Et où on en fait autre chose. Et donc, et c'est pour ça aussi que dans la collaboration avec Simon, je suis long, mais parce que voilà, j'en ai à dire. Ça fait 15 jours que tu parles plus beaucoup. Voilà, en fait. C'est ça. Oui. Dans cette collaboration avec Simon, il y a un truc aussi que souvent auquel on fait attention, c'est que le moment du tournage, c'est plus le moment de la pensée, c'est le moment de l'idée.
Donc la pensée du film, elle s'est faite en amont, en préparation, à l'écriture. Après, elle peut éventuellement se refaire au montage. Mais la pensée pour le film, c'est au moment du tournage, trop tard, quoi. C'est le moment de l'idée. Et donc, bonne idée, ouais, ouais, ah, et si on faisait ceci, cela. Sauf qu'il faut se faire, il faut se méfier, parce que parfois, l'idée, c'est l'ennemi de la pensée. J'entends par là que parfois, on peut avoir une idée en se disant, ah tiens, ce serait marrant si tel personnage, il pourrait faire ceci ou cela. Voilà, au lieu de ce qui est écrit sur le scénario. Oui, sauf qu'il faut faire attention à ce que ça n'entre pas en contradiction avec des séquences un peu plus loin ou en amont. C'est-à-dire que si le personnage dit « Ah bah tiens, on n'a qu'à dire que le personnage aurait des enfants. » Bon, pourquoi pas. Sauf qu'évidemment, ça c'est... Je peux pas improviser. Enfin, n'importe quel scénariste vous dira que ça ne s'improvise pas. Donc, évidemment, j'exagère. Mais il faut faire attention, justement, à ce moment de l'idée. Et pour ça, il faut avoir à la fois une maturité du scénario dans sa tête, c'est-à-dire de ne pas se laisser avoir tout de suite par « Ah ouais, ouais, bonne idée, ah merde !» Et puis le lendemain, on se dit « Ah putain, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais voilà. Est-ce que tu es ouvert dans ces situations un peu périlleuses aux suggestions de Simon, comme le premier collaborateur qui peut être à même de suggérer une solution tangible et... ouais, ou est-ce que tu restes dans ces moments crispés sur... Ah non, pour moi, justement, le scénario doit évoluer et il faut... doit évoluer. Il a, pour moi, vocation à évoluer au gré du tournage et autant qu'une réplique, par exemple, doit être réécrite si un acteur n'arrive pas à la dire parce qu'il bute sur un mot. J'ai aucun scrupule à changer la réplique qui va dans le sens de ce qu'il voulait dire, évidemment. Et donc, c'est pour ça aussi, et je terminerai là-dessus, que je me méfie énormément de l'improvisation, parce que l'improvisation va amener parfois un temps beaucoup trop long au plan. Par exemple, imaginons, j'ai prévu que le plan il fasse environ 10 secondes, on va dire entre 10 et 15. Le comédien ou la comédienne veut absolument improviser, voilà, ici on faisait ceci, cela, ok. Mais sauf que moi j'ai un rythme à tenir dans le film, donc je ne peux pas me permettre tout à coup d'avoir un plan comme ça au milieu d'une séquence un peu rapide, un plan qui s'éternise, d'autant plus que souvent les comédiens, c'est-à-dire que, quelque part ils se disent, ok, c'est mon moment, je vais l'utiliser à fond. Sauf que le à fond, c'est-à-dire que pour s'asseoir sur une table, sur une chaise, et donc là, déjà, ça fait 8 secondes. Donc, à un moment, au bout de 15 secondes, je dis, coupez. Comment ça, couper ? Le plan, il faut qu'il fasse 15 secondes. Ah bon ? On n'a quasiment rien le temps de dire. Non. Bon, on va regarder tout ça en image. Le plan, finalement, se dilue. Et à la fin, on ne sait plus pourquoi on fait le plan. Donc, c'est pour ça que, quelque part, il y a assez peu d'impro. C'est-à-dire que... Non, mais ma question était sur le fait, est-ce que dans ces moments de tension, tu es ouvert aux suggestions de Simon comme une bouée de sauvetage? Je vais essayer d'être plus court qu'Antonin, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai rencontré Antonin, quand on était ensemble à l'école, c'était qu'Antonin, il faisait déjà, je peux le dire, quand même, tu faisais des films super vite. Il faisait des films super vite. Oui, super. Il avait commencé avant de faire l'école. Il les montait lui-même, il les envoyait, je crois, en Suisse, faire mettre des bandes magnétiques. Il refaisait du son dessus. Et moi, je ne faisais pas de film à ce moment-là, je faisais plutôt de la photo. Je venais vraiment pour faire apprendre la photo de cinéma à l'école. Et je me suis dit, mais ce mec, il est génial, il fait des films comme ça tout seul. Il prend une caméra super vite, il fait des films, il les sonorise. Et les films font des objets qui me fascinaient énormément. Et... au fur et à mesure de notre parcours dans l'école, on a quand même pas mal travaillé ensemble parce qu'on faisait partie de la même demi-section. Puis on était déjà, je pense, liés d'amitié. Et au fur et à mesure de notre collaboration, en fait, on n'a pas arrêté d'apprendre des choses l'un sur l'autre, en fait. Antonin, il me donne un document de travail. Alors là, vous avez le scénario de la loi de la jungle, qui a un peu souffert. Et qui décrit un petit peu, en liaison avec le script, le découpage de chaque scène. Donc, étant donné la connaissance qu'on a l'un de l'autre dans le travail, moi, je comprends à peu près ce qu'il veut déclarer, atteindre dans chaque scène.
Mais c'est vrai qu'on a une préparation qui est assez forte. Il se trouve que comme on fait ensuite une passe de repérage ensemble, on affine encore le découpage, et je le retranscrivais pour la jungle, le rythme était un petit peu frénétique. Alors je pouvais le retranscrire un petit peu la veille du tournage pour le lendemain. Il fallait qu'on se repose, on bossait chacun de notre côté. Mais il nous est arrivé... Antonin, il ne le dit pas trop parce qu'il est assez pudique à sa façon, c'est que quand il a lancé le projet de la jungle, je crois que tu avais fait un voyage là-bas. Tu avais déjà vu pas mal de décors. Ouais. Voilà, tu avais des envies qui étaient très fortes liées à la nature, en fait, liées à la beauté de la nature, la sensualité de la nature. Il ne fallait absolument pas du tout dégrader les décors. Il fallait vraiment... se saisir de chaque événement naturel, l'arrivée d'une araignée, un serpent qui passe, même si les serpents les amenaient. Mais il fallait vraiment saisir la beauté, la vitalité, peut-être la dangerosité ou la brutalité de la jungle. Mais il y avait chez lui une envie énorme de saisir ça. Et il m'avait dit, tu sais, les gens de son, ils sont jamais prêts, mais quand nous, on va tourner, je suis sûr qu'il va pleuvoir. Donc, tu dis à tes gars de la caméra, il faut que les caméras elles tournent quand il pleut. Premier jour de tournage, on arrive dans la jungle, il fait un temps moyen, mais la forêt empêche de voir le ciel, en vrai, et la pluie, la seule façon qu'on a de l'apercevoir, c'est elle arrive au son, on l'entend arriver. C'est très frappant, parce que ça va très vite. Et je suis arrivé le matin, j'ai dit aux assistants caméra, on va mettre les housses de pluie, les gars. Ils ont dit... Ah mais c'est pas du tout pratique, la caméra elle va chauffer, tu vas avoir chaud. Il dit non, il faut que quand la pluie arrive, là, le premier plan, on peut pas le rater celui-là. Et ça a vraiment été la bienvenue de la forêt, ça a été le premier jour, grosse pluie. Évidemment, la scène, c'est une scène entre Vimala et Vincent qui déambule dans la jungle et qui n'arrive pas à progresser. Il essaie de couper des lianes, il n'y arrive pas, tout le monde glisse, il y a de la boue partout, toute l'équipe derrière est trempée, les gars du son, ils courent dans tous les sens, ils n'ont pas protégé, et nous, on tourne le plan. Et au niveau de la confiance, au niveau de la façon de percevoir les choses, au niveau aussi de... quand on a tourné dans la jungle, il s'agissait tout le temps de protéger le décor le maximum possible parce qu'il s'abîme beaucoup, les herbes elles sont très fragiles, si vous marchez dessus on peut plus tourner dans cet axe là il faut trouver un autre décor, donc il fallait que l'équipe elle passe par d'autres trajets que les comédiens pour les répétitions, il fallait remettre tout le décor en place, ça prenait un temps fou, mais au niveau du désir, de cette sensualité là et de savoir le capter et de le préserver, c'était extrêmement important. Et typiquement dans ce genre de situation, il y a beaucoup de gens qui peuvent, sur un plateau, ne pas forcément le comprendre. Et c'est vrai que notre symbiose, Antonin et moi, là-dessus, c'est d'être très ferme et très en accord là-dessus. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais enfin, je pense que pour Sébastien et Michael, il y a peut-être des fonctionnements aussi qui sont identiques. Moi, j'ai l'impression que des fois, avec Antonin, on est un peu en bulle, quoi, malgré tout. Quoi. Des fois, on est un peu très ensemble. Il s'agit des fois d'arriver à transmettre ça autour et à essayer de le diffuser, de le partager. Tu veux dire en bulle contre... En bulle, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a tellement de connivence que tout d'un coup, on se dit « Ah, mais ça serait super, on fait ça. Ah, mais là, on fait ça comme ça. » Et puis, autour de nous, il y a des gens qui nous regardent et qui nous disent « Alors... Enfin, voilà, c'est ce côté un petit peu peut-être d'arriver à partager autour le même désir, quoi. Ben, il y a peut-être eu ça un peu au début. J'ai l'impression un petit peu moins... Enfin, disons qu'on a réussi peut-être à le communiquer un peu plus. Enfin, disons qu'en tout cas, la différence que je vois par rapport à vous, c'est que même si Michael découpe en amont, en gros, le jeu qu'on s'est donné un peu tous les deux, c'est qu'il me donne le découpage que le matin du tournage. Alors, on passe beaucoup de temps en préparation, en repérage. J'ai l'impression que c'est un des réalisateurs avec qui je passe le plus de temps en repérage. En fait, on voit beaucoup et revoit des lieux et on choisit, on passe beaucoup de temps à
faire des repérages, et ce qui donne lieu à des discussions, des interrogations, mais où il y a rarement de réponses. C'est toujours des questions qui sont avancées, mais je trouve qu'il y a rarement vraiment de réponses. Simplement, on se dit, bon, OK, donc il faut prévoir ça, ça. Enfin, on avance comme ça un petit peu à tâtons. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a une connivence, je pense, au moment du tournage sur le plateau, mais je ne sais pas, oui, c'est vrai que ça va très, très vite. C'est vrai que ça va. Enfin, je trouve, en tout cas, sur le dernier film, là, on a réussi à faire beaucoup de plans, j'ai l'impression, par jour, à chaque fois, qu'il y ait quelque chose qui se fasse très vite, bien que le découpage ne se fasse qu'au dernier moment. Alors après, c'est pas vraiment, ça se passe au dernier moment, mais c'est pas de l'improvisation et c'est pas vraiment foutraque. J'ai l'impression que, comment dire, même s'il me dit pas les plans avant, je le sais un petit peu, entre guillemets, aussi par habitude de certaines choses, et aussi parce qu'il m'a donné des directions sur des choses, donc j'imagine ce que ça peut être. Mais voilà, et pardon. Puis après, oui, je dirais juste aussi la particularité, peut-être, enfin, que moi j'interprète comme ça, mais je sais pas trop si tu dirais la même chose. Mais j'ai l'impression que à chaque fois, à chaque séquence, tu essayes d'avoir plus de décors, enfin, tu vois, de rajouter. On a rarement une séquence qui se passe dans un décor pendant une journée entière. Il faut souvent bouger. Et j'ai l'impression que c'est souvent finalement une envie que tu as. Du coup, on n'est jamais vraiment installé. Donc on peut rarement, bon, sauf pour le dernier film encore, c'était un petit peu différent parce que c'était du studio. Du coup, ça oblige à être léger et mobile et inventif, puisque donc on sait que de toute façon, dans 2 heures, il faut être dans un square là-bas, et donc il n'y a jamais vraiment une grosse ou s'il y a une grosse installation, on l'a prévue, c'est sur un décor. Et donc par exemple, ça c'était sur le premier film, je me rappelle, qui était moins financé que les autres, où devait y avoir des fois presque 5 décors par jour, ou en tout cas 3 ou 4, et donc il y avait donc pour une journée, 3 ou 4 décors par jour. Et donc, il y avait un décor quand même un peu principal sur lequel on pouvait miser un peu sur la lumière. Enfin, comment dire, pas après miser, light. Non, mais installer des choses, voilà. Et le reste, c'était des décors qu'on trouvait à côté, périphériques, qui permettaient de faire des micro-séquences à côté, de façon rapide, ou bien des fois qui n'étaient pas forcément prévues, mais Michael m'appelle, me dit, ouh là là, mais là, coucher de soleil, vite, vite, faut sortir. Et donc, pouf, on sort très vite et on fait. Donc, c'est vrai que ça pourrait se rapprocher de l'improvisation, mais c'est toujours, il trouve toujours une chose qui est prévue. Enfin, dans Ce sentiment de l'été, il y avait ça à Annecy, par exemple. Il y avait une maison près d'un lac. Et c'était arrivé plusieurs fois qu'il y ait une belle lumière. Et donc, voilà, on installait quelque chose. Et Michael a le temps de voir ça. Hop, on sort tout et on fait quelques plans. Bon. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu à l'image des films, de tes films aussi, où la déambulation est très importante. La déambulation dans la ville ou à travers les différents décors. Et j'ai l'impression que la manière dont vous tournez, en tout cas, vous réussissez à faire en sorte que le tournage prenne cette forme-là également. Enfin, c'est un peu ce que je comprends dans ce que tu viens de dire aussi. Oui, certainement. Disons que dans les films, il y a le scénario. Effectivement, il y a des choses, on va dire, des éléments de narration du film qu'il faut filmer. Et je sais que mes films sont faits au moins autant de ces moments-là, voilà, enfin, de ces moments d'histoire, que des choses plus périphériques, ou du moins dans les interstices, on va dire, du récit, qui donnent vraiment, je pense, la singularité et la musicalité des films. Et ce qui est très compliqué, c'est de réussir à chaque fois à créer à l'intérieur d'une journée et d'un plan de travail même général sur la totalité du film, des espaces pour ces moments qui n'apparaissent pas dans le scénario, qui apparaissent de manière, voilà, très, très souterraine, parce que je sais que le film ne va exister
qu'avec ces moments-là. Et ça, c'est dur des fois à transmettre effectivement à une équipe. Ça, je pense que maintenant, on est au clair, enfin, et on essaie évidemment de le diffuser au maximum, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément très simple à communiquer quand on a déjà un plan de travail qui est vraiment ras la gueule. Quoi. Enfin, c'est très dur de communiquer cette envie et de faire comprendre qu'en fait, le film va exister grâce à toutes ces choses qui ne sont pas dans le scénario. Et effectivement, libérer des espaces dans la journée, j'ai toujours le fantasme de me dire, voilà, on a une journée de 8 heures, qui devrait en faire 12, rien qu'avec les plans qu'on doit tourner, mais de se dire qu'on va en faire 6h30, 7h pour conserver voilà, un pan de journée pour, voilà, pour tourner tout ce qu'il y a autour. Et j'ai perdu un peu, sinon, le film. Et oui, effectivement, je pense que tu as raison, ça ressemble, les journées ressemblent aussi au film qu'on veut faire. D'une certaine manière, on invente des journées qui sont un peu à l'image. Et puis je rebondis, oui, sur une phrase que disait Antonin, mais effectivement, le scénario, c'est une bille en mouvement. Moi, j'ai l'impression que quand on écrit déjà un scénario, il y a quelque chose qu'on a couché sur le papier qui est déjà un peu mort. Et donc, tout mon travail consiste un peu à le ressusciter en permanence, à essayer de le maintenir un peu la tête hors de l'eau. Et ça passe par faire des choses qui sont pas prévues, enfin qui sont pas inscrites, d'où ma réticence des fois effectivement à communiquer les découpages ou à prendre des décisions. Comme il dit, c'est vrai que les repérages sont en plus des moments de questionnement que de réponses. Voilà, reculer au maximum, on va dire, les réponses pour faire que quand on arrive sur la journée de tournage, elle soit la plus vivante, la plus incertaine possible. Évidemment, il faut trouver un équilibre. On ne peut pas travailler qu'avec de l'incertitude, mais voilà, toujours essayer de trouver cet équilibre. Et voilà, des fois c'est plus ou moins douloureux, on va dire, selon les journées, mais on essaie, je crois, il me semble, de trouver cette alchimie là dans nos journées de tournage. Alors on va vous présenter, parce que du coup on a un peu bousculé lors des questions, mais on va vous présenter les premiers extraits qu'on avait sélectionnés, donc on va juste se mettre sur les côtés pour vous laisser les regarder, et on reprend la discussion juste après. Ah, tu peux pas savoir le mal que j'ai eu à trouver ça. Tiens. Bah d'accord. Ah. Si je comprends rien, c'est moi qui vais tout faire encore, c'est ça? Tu fais rien chez toi? Bah si, je fais tout. Ta copine, elle fait des trucs? Hein? Quelle copine? Il n'y a pas trop de serpents dans les arbres. Bon, alors je te préviens, n'essaye pas de me tripoter quand je dors, je déteste ça. Je commence à comprendre à quel genre de célibataire j'ai affaire. Mais, au fait, ça fait combien de temps que tu vis seule? J'ai pas vraiment envie de parler de ça.
Ça fait 18 ans. 18 ans ? Ouais. C'était au lycée ? Ouais. Et depuis ? Rien. Enfin, j'ai eu mon bac. Attends, installe-toi là, oui. Parce que la nuit va tomber d'un moment à l'autre. D'accord. Et après, t'as fait quoi ? Eh ben, j'ai... J'ai eu mon stage de confirmation après avoir eu mon master. Ouais. Et puis, bon, bah... Maintenant, je suis poursuivi par un huissier. Oui. Ouais. Annulé. Elle fait du jazz. C'est mon tour de te montrer ma ville d'en haut. Et tes parents, alors? Ça va? J'ai eu un mail de ta mère le mois dernier. Mm. Et elle me disait qu'elle s'avait fait faire plein de travaux dans le jardin et la maison à Annecy. Ouais, ça leur a pris comme ça. Enfin, c'est ma mère qui a tout géré parce que je crois que mon père n'avait pas du tout envie de se lancer là-dedans, mais... Je pense que c'est la façon qu'ils ont trouvée pour pouvoir rester là-bas. Il prend des cours d'horticulture aussi. Horticulture ? Oui. Très bien. Tu imagines ?
Si ça te dit, ce soir, j'ai proposé à une amie de prendre un verre dans un bar très sympa que je connais. Okay. Si tu veux. Oui, mais tu t'es pas obligé de me trimballer, hein, vraiment. Sens-toi libre. En tout cas, quand on voit l'extrait de ce sentiment de l'été, je trouve que ça rebondit bien sur ce que tu disais, sur ces plans qui ne font pas forcément partie du découpage, que tu prends un peu à la volée. Enfin, je sais pas, je pensais au plan du pont qui fait une jonction aussi, une sorte d'ellipse. Est-ce que c'est ce genre de petite surprise comme ça, avec le ciel qui se teinte ouais. Et est-ce que tu les as déjà un petit peu en tête, tu sais ce que tu aimerais, ou tu essaies vraiment de te laisser surprendre sur le moment? Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment du décor, du moment. Des fois, on repère effectivement comme ça ce que disait Sébastien, des lieux proches de notre lieu principal, on va dire, de tournage, où on sait qu'on va pouvoir faire quelques incursions. D'autres fois, c'est la lumière qui parle et on se dit, tiens, là, il y a vraiment quelque chose. C'est très variable selon les séquences. Et moi, ce que je trouve assez typique de tes films, c'est vraiment ce mélange entre l'évolution des personnages dans des intérieurs où il se passe des moments aussi importants, mais je trouve que beaucoup disons, ce qu'on appelle de l'arc un peu narratif des personnages se passe dans des scènes extérieures. On a l'impression que tu as vraiment le souci, ou en tout cas l'envie, peut-être même inconscience, de faire vivre tes personnages dans la géographie d'un lieu. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez typique dans ton travail. Et je voulais savoir comment, du coup, vous travaillez ensemble les trajets, même les choix des lieux que tu as envie de filmer par rapport à ce que tu racontes à ce moment-là dans les séquences de l'état d'esprit du personnage, de ce qu'il est en train de traverser. Est-ce que c'est une déambulation que vous faites en commun dans la ville, par exemple, que vous avez choisie? Ou est-ce que toi, tu as déjà en idée très précisément quel lieu tu as envie de tourner pour quelle séquence? Là aussi, ça dépend. Souvent, je tourne, enfin, j'écris pour des lieux. Les lieux sont un peu, pour moi, l'impulsion première, on va dire, de l'écriture. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à imaginer des histoires tant que je ne visualise pas les lieux. Voilà, je ne peux pas me dire ça se passe sur une plage ou dans une rue. J'ai vraiment besoin de la voir. Et là, il y a un trajet qui peut se matérialiser ou voilà, un dialogue. Donc, souvent, ce sont les lieux voilà, avec lesquels j'entretiens un rapport affectif particulier. Et donc, on tourne dans ces lieux. Puis d'autres fois, on s'aperçoit que ces lieux n'ont rien d'intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont une valeur affective pour moi, une valeur mémorielle. Mais quand on y va avec Sébastien et qu'on regarde avec l'appareil photo, le viseur de champ, on se rend compte que ce n'est pas très intéressant, en fait. Ça me parlait, mais bon, les lieux ne sont pas... Donc là, on va chercher ailleurs peut-être d'autres artères, d'autres... Mais ce qui est très important, enfin, un peu l'idéal, on va dire, de cinéma, de séquence, ce qui me plaît le plus, c'est de réussir à créer, quand c'est possible, une espèce de bulle de fiction à l'intérieur d'un monde qui, lui, continuera à tourner et qui n'appartient pas à notre film. Ça, je trouve que c'est le plus beau défi qu'on peut se lancer, enfin, en tout cas, que j'essaie d'obtenir dans les films, ce que j'ai l'impression, enfin, a réussi à faire, par exemple, Antonin, dans ce... Tu me diras comment tu as tourné le premier extrait, mais comment, tout à coup, on a une incursion de personnages, de notre bulle de fiction,
dans un monde qui, lui, voilà, tourne autour. Ça, c'est mon rêve de cinéma, on va dire. Et très souvent, effectivement, on l'obtient aussi par tous ces plans un peu intermédiaires, voilà, de jonctions qui participent à dessiner comme ça le mouvement du film. Du coup, c'est un peu une manière d'intégrer effectivement le réel dans cette fiction. Et ça me fait penser, en revoyant tes films, je me suis fait cette réflexion que le rapport entre l'intérieur et l'extérieur était toujours très perméable, même en termes de, parfois de costumes qui font un rappel avec l'extérieur, ou là, dans l'extrait de Ce sentiment de l'été, qui commence par une grande... le magasin vintage avec la lumière qui rentre par les grandes vitrées. J'ai toujours l'impression que tu essaies de rendre ces deux milieux très... entretenir une frontière assez floue. Oui, j'aime ces décors qui sont un peu troubles, on va dire. Mmh. Donc peut-être des fois, ça c'est très douloureux. D'ailleurs, pour Sébastien, je choisis souvent les intérieurs presque plus pour la perspective qu'on peut avoir sur l'extérieur que pour les intérieurs eux-mêmes, ce qui est... J'en conviens un peu absurde, parce que très souvent, quand même, il faut tourner dans l'intérieur. Donc, bon, on ne peut pas faire 15 plans non plus avec la découverte derrière. Mais c'est vrai que c'est la porosité, aussi parce que je pense que j'ai grandi dans un paysage un peu intermédiaire. J'ai grandi en banlieue parisienne, vraiment à la lisière de la ville. Donc, c'était des banlieues un peu boisées, un peu fleuries. En même temps, il y avait Paris qui était toute proche. Donc, on va dire cet espace un peu incertain de zones un peu périphériques, je crois que ça nourrit vraiment ça nourrit les films, et certainement aussi le rapport entre intérieur et extérieur. Oui, c'est très fort, c'est très très présent dans ton dernier film, dans Les Passagers de la Nuit, notamment avec ce choix de décor d'un appartement avec des grandes baies vitrées sur les tours autour, qui donnent des plans magnifiques. Je ne sais pas si c'est du trucage studio, du coup c'est un tournage studio, et après avec des incrustations dans les vitres, où vous avez vraiment tourné dans un appartement, dans une tour? Non, c'est en studio, complètement. D'accord. Refait. Mais on a repéré des vrais appartements. Enfin, il fallait que ça se passe à Bougrenègle. Donc on a repéré des appartements sur place. Et c'est pas... le chef d'éco s'est inspiré du plan d'un appartement. Et la vue... qui est faite sur l'extérieur, c'est la vue que j'ai photographiée d'un vrai appartement au 20e étage. Et donc, c'est tourné en studio, non pas sur fond vert, mais sur une photo. D'accord. Qui s'appelle un soft drop. C'est une double photo, une photo jour et une photo nuit, qui fait que... le procédé fait que si on l'éclaire de face, on voit la photo de jour... Si on l'éclaire derrière, on voit la photo de nuit. Et donc, on peut doser entre le jour, la nuit, faire du crépuscule. Voilà. Et c'est une photo, une énorme photo, et donc qui faisait 24 mètres, je crois, de long sur 8 mètres de haut, puisque la baie vitrée est en angle droit. Donc, ça a rajouté à la complexité, mais voilà. Et Antonin et Simon, vous travaillez aussi souvent des séquences importantes en extérieur, avec effectivement des paramètres que vous ne pouvez pas toujours gérer. Du coup, comment vous les abordez, ces séquences, notamment si tu veux parler et répondre à Mickaël sur la séquence de l'extrait, oui, de La fille du 14 juillet. Alors, déjà, le film, La fille du 14 juillet, donc c'est un peu la résultante des courts-métrages que j'avais fait avant. Donc, à savoir que j'avais tourné tous mes courts-métrages quasiment, tous en pellicule. Donc là, pour moi, c'était évident que c'était la continuité, donc il fallait tourner en pellicule. Donc, c'était quelque chose dont j'avais l'habitude. Et par ailleurs, j'étais allé filmer pour un moyen-métrage qui s'appelle Opération La Dernière Chance, le défilé du 14 juillet. Donc, je savais un petit peu comment ça se passait. Et dans le scénario, et je savais ce que je pouvais avoir. Et dans le scénario, c'était juste simplement marqué Truquette, Vance et Babiole, les militaires se préparent à défiler. Voilà. Tranquille. Pour moi, là, les plans qu'on a faits, en fait, c'était inespéré, c'était pas prévu. Sauf que... Tu veux dire que...
tu l'as mise dans le décor sans avoir eu les autorisations anticipées non. de la mettre non, au milieu c'est, des c'est pas ça que je veux dire. Non. Ce que je veux dire, c'est que on avait évidemment demandé l'autorisation. Et pour moi, ce qu'il fallait, c'était les plans sur le trottoir, donc qui arrivent juste après dans la séquence, où elle vend ses trucs et elle rencontre ses amis, etc. Là-dessus, l'avant-veille, donc fait accompli, la préfecture nous dit « Ouais, non, en fait, non. Vous ne tournerez pas. » Bon, OK. Donc, catastrophe. Mais heureusement, on a bénéficié de la guéguerre gendarmerie-police. Et donc, on avait l'autorisation des militaires. Et donc, le DIRPRO rappelle les militaires. Il dit, bah, je sais pas, apparemment, la police nous dit qu'on ne peut pas. Voilà, attendez. 14 juillet, c'est nous, c'est l'armée. Donc, nous, si on vous dit que vous pouvez, vous pouvez. OK ? Donc, vous venez, vous faites votre truc, là. Il comprenait pas. À chaque fois, il disait reportage. Non, mais c'est pas un reportage, c'est une fiction. Oui, oui, enfin, bref, vous faites votre film. Par contre, à 10 heures, tout le monde sur le trottoir. Alors, moi, j'entends ça. Je fais, comment ça, à 10 heures, tout le monde sur le trottoir ? Ça veut dire qu'avant, on peut être sur l'arc de triomphe, enfin, sur la place de l'Étoile, sur l'Esplanade. Ah bah oui. OK. Bah, oui, mais on vient un peu plus tôt et on arrive. Mais c'est pas jusqu'à 10 heures. On a fait tout ça en une heure, Antonin. Oui. Tous ces plans, c'était entre 7 et 8 heures du matin. Ouais, je me rappelle plus. Mais bon, ah non, c'était... Ah non, mais... En tout cas, toujours est-il que... Bon, moi, je me suis quand même pointé la veille pour essayer de voir, en me disant, bon, bah, comment je vais faire, tac, tac, OK. Et on se pointe, effectivement, le matin. Pour moi, je me disais, ça va pas faire un pli, on va faire un plan, ils vont nous dégager, quoi, direct. Bon, on fait un plan, tranquille, OK, un deuxième, un troisième, etc. Donc, là, ce qu'il fallait, c'était effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'idée et à la pensée du film, c'était garder un petit peu la tête froide, c'est-à-dire de pas faire tout et n'importe quoi, comme un chien fou, on essaie de tout avoir et puis on n'a rien. Donc il y avait cette idée de faire un plan. En fait, pour moi, et c'est ça aussi qui me plaît dans le cinéma, c'est ce côté un peu classique, on va dire hollywoodien, même si là, c'est pas du tout les moyens hollywoodiens, mais disons, c'est les choses typiques du cinéma hollywoodien, c'est l'entrée en scène de la star, enfin, ou du personnage principal, donc là c'est le cas, le flashback, le happy end, enfin bref, le fondu au noir, le fondu enchaîné, bref, il y a plusieurs comme ça du langage cinématographique hollywoodien. Et donc je me suis dit, bon, bah, là, forcément, bah, là, il faut chiader le début, quoi, faut faire un truc qui envoie. Donc, on avait quand même, nous, on s'était mis d'accord avec Simon, petite équipe, donc toute rikiki, quoi, pour ces plans-là, parce qu'il faut quand même, même si on a l'autorisation, rester discret, pas faire exprès, quoi. Voilà. Donc, bon, évidemment, il y a un policier qui a voulu nous dégager, mais on avait l'autorisation du général, et le général avait bien dit, si au moindre problème, vous m'appelez. Donc, l'assistante de prod a dit, OK, bon, on va appeler le général, et puis il va régler ça. OK, non, c'est bon, vous faites votre plan, et puis c'est bon. Donc, là, on voit, effectivement, par contre, les militaires nous avaient dit, à midi, le défilé est terminé, c'est plus notre sort. Hein. Là, c'est vous débrouillez après avec la police. Donc, on a fait nos plans, et là, c'est aussi, pardon, un peu, en partie, enfin, et même beaucoup, grâce aussi au talent de Vimala, c'est-à-dire que, Ponce, c'est-à-dire qu'en faisant les plans, bah, je comptais très fort sur elle aussi pour que, par exemple, on voit là au début, il y a six militaires qui partent tout à coup, qui lui coupent la route avec le drapeau, bah, pour pas qu'elle se retourne en disant « Ah, je fais quoi ? C'est pas prévu ?» Non, et justement, elle joue quel que soit l'événement qui arrive dans le défilé, quoi. Et donc, après, bah, je lui avais décrit le parcours que je voulais, et je lui avais dit, là, c'est plan large, et puis après, tu vois, on est en longue focale sur toi, et puis tu reviens, et tu fais le passage, et tu reviens jusqu'à la caméra, et puis on lui avait dit à peu près où est-ce qu'on serait pas dans le champ, où est-ce qu'elle sortait du champ, disons. Et puis, je crois qu'on a fait trois prises, et puis c'est vrai qu'à un moment, elle a dit, bon, bah, moi, franchement, ça devient chaud, là, parce que les réflexions qui me font les militaires, c'est plus tenable. Donc, on a fait dernier plan, puis après on s'est cassé, quoi. Voilà. Et après on est allé sur le trottoir. Et justement, à propos d'Hollywood, tu parlais d'Hollywood, j'aurais aimé revenir sur l'autre extrait, celui de la loi de la jungle. Au moment de la tombée de la nuit,
voir comment est-ce que vous avez géré ça sur le tournage. Est-ce que c'est une idée qui est venue sur le plateau ou est-ce que ça fait partie des idées que vous aviez déjà réfléchi ensemble? Alors, je n'ai plus exactement le souvenir, mais disons que ce qui était prévu au départ, c'était que la nuit qu'on voit soit une nuit américaine pour des raisons de production. Voilà. Et puis, disons que moi, je me disais, bon, tiens, on va essayer. On avait d'ailleurs essayé en repérage parce qu'on était parti. On avait eu la chance de pouvoir partir en repérage avec la caméra. Donc, on avait essayé on avait fait des tentatives de nuit américaine. On avait vu ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas. Donc, ce qui était intéressant, c'était justement à la fois de jouer le gag sur dans les tropiques, la nuit tombe très vite, et à la fois de faire deux plans en un seul, où on passe de nuit, enfin du jour à la nuit. Et pour ça, pour qu'on puisse vraiment le voir, il faut une lumière. Donc la seule source de lumière qu'on pouvait avoir, c'était une bougie. Donc ce plan-là était censé amener après la nuit américaine. Mais les journées étant ce qu'elles sont, en fait, on s'est retrouvé avec une vraie nuit. Donc heureusement, on avait quelques éclairages pour rebondir là-dessus. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Non, mais typiquement sur le passage du jour à la nuit en compressant le temps comme un time-lapse, c'est une idée qui m'a tout de suite plu. En fait, on en avait parlé avant avec Antonin. Oui, okay. Il savait déjà qu'il voulait faire. Effectivement, il y a cette histoire de nuit américaine pour tourner le reste dans la jungle. Parce qu'en fait, la nuit dans la jungle, les gens, ils n'ont pas trop envie de rester, quoi. Oui. Et donc, on s'était dit, bon, faire la nuit américaine. Après, artistiquement, c'était pas moins intéressant. Mais le côté, le plan qu'on prépare à l'avance pour le passer en jour-nuit, c'était vraiment... C'était typiquement une idée d'Antonin et où moi je me dis, mais il faut absolument le faire. Moi je trouve ça plutôt rigolo. Je pense qu'on est un peu potage comme ça par rapport à ce genre de choses. Après, je pense que ça fait des espèces de petits objets mis en scène qui amènent un peu de légèreté. Oui, ça fait partie de l'humour du film. Enfin, l'image participe à l'humour du film à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et par ailleurs, c'est aussi là où Vima Laponce et Vincent Macaigne ont su aussi rebondir sur ce côté très ludique sur le film. Quand, par exemple, Vincent, le personnage de Châtaigne, regarde partout parce qu'il y a les sons de la nuit qui font peur. Par exemple, je lui avais pas dit de terminer par un regard caméra. Mais et ça, c'est vrai que c'est une idée à lui et c'est venu. Je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée pour terminer sur un plan où il a peur, quoi. Voilà. Et ensuite, après, c'est cette fumée aussi. Disons que il fallait qu'il y ait un côté un peu merveilleux, parce que donc c'est un cauchemar en fait. C'est pas la fin. Il rêve que c'est la fin, mais et donc il y avait ce côté-là où tout à coup la forêt s'incarne comme un personnage qui lui veut du mal, quoi. Donc ça aussi, ce truc où il meurt et il ne finit pas de mourir, c'est lui, quoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, il tombe et puis pendant 3-4 secondes, il bouge plus. Puis après, il se relève et donc ça, c'est lui. Puis moi, je trouvais ça marrant, donc j'ai pas coupé, quoi. Alors, pour rester sur une dernière question et donner ensuite la parole à la salle, moi, je voulais vous interroger aussi sur la dernière étape de fabrication, c'est-à-dire l'étalonnage de cette collaboration jusqu'à la dernière étape du film. Du coup, comment vous travaillez cette étape? Est-ce que déjà vous la prévoyez en amont? Et ensuite, est-ce que chacun travaille un peu dans son coin? Est-ce que, Michael, tu es très présent à l'étalonnage? Comment ça se passe? Là encore, ça dépend des films. En fait, jusqu'ici, donc on a tourné presque tout en Super 16, sauf Montparnasse et donc le dernier film. Et j'allais dire, pour les films en Super 16, c'était presque plus... Enfin, c'est arrivé aussi souvent, je pense que c'est peut-être aussi un hasard, que tu sois en mixage. Donc, tu venais, mais pas forcément tout le temps. Je ne sais pas, il y avait une espèce d'évidence. Alors que sur Les Passagers de la Nuit, j'ai l'impression que tu étais là plus souvent. Bon, c'était le premier film en numérique. Et
j'ai l'impression que tous les deux, enfin bon, je me rappelle que tu intervenais aussi beaucoup sur des choses de, sur des rendus justement, sur la nuit, sur, c'était vraiment un échange. J'ai eu l'impression là-dessus. Et peut-être, je sais pas, j'ai l'impression peut-être que sur ce sentiment de l'été ou, enfin bon, je sais pas, en même temps c'est un peu plus loin, mais que c'était plus, qu'il y avait une espèce d'évidence. Plus, voilà, à cause de la pellicule qui imprime forcément tout de suite sa patte, en fait. C'est vrai que choisir de tourner en pellicule, c'est comme si on choisissait déjà un peu un étalonnage. Enfin, j'exagère un peu, mais si quand même, il y a un petit peu de ça. Voilà, donc j'ai eu l'impression que sur le dernier, tu étais peut-être plus présent et voilà, mais parce non, il y a, parce y a que pas ce que vraiment je trouve de très très fort aussi dans ton rapport à l'image, Michael, c'est que tes plans sont extrêmement composés, enfin, aussi bien dans la couleur que dans les lignes, c'est toujours très très composé, comme vraiment comme une photo ou comme un tableau. Et du coup, je me demandais comment tu abordais cette étape de l'étalonnage. Est-ce que c'était vraiment un travail que tu accompagnais très précisément jusqu'au bout ? Est-ce que, une fois que pour toi les indications étaient assez claires, tu laissais Sébastien voilà, prendre en charge la dernière étape, quoi ? Non, oui, j'aurais pas grand-chose à rajouter à ça, à ce qu'il a dit. Oui, oui, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose de très directif dans la pellicule, peut-être, qui imprime quelque chose, une forme d'évidence. Il y avait peut-être plus de choses, peut-être par crainte aussi. Enfin, le côté numérique m'a toujours un peu. C'est, pour moi, ce n'est pas le format de la fiction. Je ne me suis jamais représenté, on va dire, le cinéma et la fiction en numérique. Donc, même si on l'avait énormément travaillé en amont, oui, il y avait peut-être une crainte qui fait que j'ai peut-être été plus présent. Mais ça, j'avoue que je n'ai pas le recul, je ne m'en rends pas compte. C'est Sébastien qui est quand même beaucoup aux commandes de ça, qui suit les journées. Et puis, je passe régulièrement. Pour échanger autour des premiers choix qu'ils ont fait avec l'étalonneuse. Voilà, c'est une espèce de. Je rebondis un peu sur leurs propositions. Mmh. Hein, je suis pas une grande force de proposition en étalonnage. Mais est-ce que tu as été déçu justement par cette expérience du numérique ? Ça a été douloureux pour toi ou finalement tu t'es retrouvé Non, j'ai pas été déçu. De toute façon, je n'ai pas eu le choix. À un moment, on fait. Je crois que maintenant, il y a matière à expérimenter, à travailler beaucoup de choses. Après, c'est pas de la pellicule, quoi. Enfin, c'est de toute façon, c'est même si j'entends que oui, je suis très content du résultat. Il y a pas de problème. Hein, je veux dire, mais il y a quelque chose dans le 16, et j'insiste sur le 16 mm parce que c'est vraiment un format, voilà, qui me bouleverse, quoi. Vraiment. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment le plus que le 35, on va dire. Enfin, il y a quelque chose qu'on peut pas reproduire. Enfin, c'est pas. On ne peut pas le reproduire. Mais je n'ai pas été déçu. Voilà, c'est comme ça. Les films, ils ont leurs histoires, ils ont leurs contraintes. Et on fait avec. Après, il ne s'agit pas d'être déçu ou pas. Je veux dire, soit on ne fait pas le film, soit on le fait. Une fois qu'on l'a fait, il n'y a plus à se poser cette question-là, quoi. Le film, il est comme ça. Non, parce que comme en plus, dans ce film, tu injectes des images d'archives, donc des années que tu traites, il y a vraiment un rapport justement à des images différentes, mais qui trouvent leur place dans le film et qui est très bien réussi, quoi. Ça se mélange très, très bien. Bah c'est, oui, c'était, c'est, comment dire, film d'époque, il y a toujours quelque chose dans la reconstitution qui est un peu glacé, artificiel. On peut avoir tout l'argent du monde, il y a quelque chose qui est, voilà, aussi luxuriante soit-elle, qui est faux, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, on peut faire passer toutes les voitures qu'on veut, avoir toutes les bonnes idées de décor, voilà. Et donc intégrer, on va dire, ces images d'archives, d'autant qu'effectivement on ne tournait pas en pellicule, on avait le sentiment peut-être que la collusion de ces images de provenance, de formats différents, de tessitures différentes, donnerait plus à ressentir, on va dire, ce sentiment de l'époque, donc que voilà, ce travail sur la reconstitution, dont par ailleurs on n'avait pas les moyens, donc ça tombait bien, mais c'était voilà, c'était. Et puis bah, par ailleurs pour celui-là, en fait. J'allais dire, les talonnages coulaient un peu de source, puisqu'on a fait beaucoup d'essais, bien plus que pour tous les autres films. Puisqu'on avait ces archives, des fois qu'on a eu assez tôt en amont, et que très vite on a su qu'il faudrait tourner en numérique, donc on a pu faire des essais d'objectifs d'abord, de caméra, puis de lutte, et donc en fonction, on avait
les archives, enfin une ou deux archives qu'on pouvait voir en comparaison, donc on pouvait faire des réglages de grains, enfin de plein de choses, de matière. Donc on a fait 3-4 séances d'essais comme ça différents, une fois avec des objectifs à Beaugrenelle dans des appartements, je ne sais plus, une deuxième fois en studio, une troisième fois j'ai fait moi juste avec des filtres, parce que je me rendais compte qu'avec ce qu'on faisait en post-prod, ça ne suffisait pas tout à fait, donc on a rajouté des filtres, et puis un peu de fumée aussi sur le décor, enfin bref, il y a eu plein d'étages comme ça, ce qui fait que voilà, ce lien entre le numérique... Non, parce qu'au début, oui, on était parti sur l'idée que, comme tout le film, comme il y avait beaucoup de choses en intérieur et beaucoup de choses en nuit, on allait tout faire en numérique, sauf les extérieurs jours. Je m'étais dit, les extérieurs jours, comme on ne sait pas, on tourne en hiver, ça peut être en temps gris. Donc, ça, je me disais, en temps gris, en numérique, ça va être vraiment la déprime. Donc, on s'était dit, tous les extérieurs en pellicule, tout le reste en numérique, et aussi des petits plans avec une Bolex, une petite caméra que j'ai, qui ferait une espèce de lien entre les archives et les acteurs. Donc, filmer les acteurs pour évoquer les lieux qu'on voit dans les archives, pour faire une espèce de transition. Et donc ça, on avait ça aussi aux essais qu'on avait fait avant. J'avais filmé des petites choses en Bolex pour voir le grain. Et voilà. Puis par ailleurs, j'avais donné donc à cette jeune fille qui faisait qui trouvait le grain des références de films, enfin des tas de choses pour avoir le grain, les couleurs un peu de l'époque. Du coup, le résultat du film tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est le résultat de ces trois sur-images entremêlées, quoi. Et on avait ce rendu à peu près au tournage. D'accord. En tournant en numérique, on avait à peu près le rendu de ce qu'allait être le rendu final. Ouais. Oui. Et Simon Antonin, du coup, sur la partie étalonnage, comment vous fonctionnez? Nous, on est tout le temps ensemble avec Antonin. Parce que vous parliez de votre bulle. Voilà, on maintient la bulle. Réussissez à accueillir l'étalonneur ou l'étalonneuse dans cette bulle? Alors, il se trouve que sur la fille du 14 juillet, on avait travaillé quelqu'un. Et sur la loi de la jungle, on a rencontré un garçon qui s'appelle Christophe Bousquet. Et avec qui on a de très très bons rapports et je trouve qu'il fait bien le lien entre Antonin et moi en ce qui concerne la post-production et tout ce qui concerne les lumières, les couleurs. On travaille très très bien avec lui et c'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance à garder les gens et à travailler tout le temps avec eux. Hein, je pense. Hein, ouais, c'est... Mais est-ce que vous l'incluez en amont du tournage aussi? Dans vos réflexions entre vous En ce qui concerne ce dont parlait Sébastien, l'édition des luttes, et on avait tourné la fuite 14 juillet en Super 16. Et la loi de la jungle, ça a été la transition au numérique pour Antonin et moi à ce moment-là. Il y avait la question de la pellicule là-bas en Guyane inquiétait beaucoup la production, donc ils n'avaient pas du tout voulu partir en 35. Il y avait l'histoire de coûts, bien sûr. Et donc, moi, je suis un peu comme Michael, j'aime pas trop le 35. Je préfère nettement le 16, qui, pour moi, le 35 se rapproche trop par sa propreté, son côté nickel, se rapproche trop du numérique. Et c'est pour ça que j'ai tendance à préférer le 16. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré la production, Rectangle Production, ils m'ont dit tout de suite, parce qu'ils sortaient d'un film. De Guillaume Braque et qui avait été tourné en pellicule et ils avaient eu des problèmes épouvantables à cause de la pellicule Tonnerre, ça s'appelait, et ils m'ont dit alors on aimerait bien ne plus tourner en pellicule, et j'ai dit ok, allons-y, moi ça me plaît de changer, enfin voilà, bon ok, allons-y pour du numérique. Et donc l'étalonnage
Voilà. Oui, on en avait parlé en amont, puisqu'on était parti avec une caméra. Et ça faisait, à ce moment-là, ça faisait quelques années qu'on faisait des luttes. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré le principe du lutte, c'était en 2011-2012, je dirais. On a commencé avec les caméras numériques, les Alexa, tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour la loi de la jungle, avec Antonin, on avait eu la chance. Moi, je savais qu'il n'allait pas aimer la caméra numérique. Donc, on s'était accordé avec la production pour partir avec une caméra en repérage là-bas, pour faire des premiers tests, des premières images, et bien sûr, des looks, des luttes, des choses qui correspondraient au film. À cette époque-là, déjà, je n'aimais pas du tout le rendu de ce qu'on appelle le Rec 709, qui est la transposition, en gros, de l'espace colorimétrique de la caméra, qui est relativement large, à un écran normé, plutôt pas de très très bonne qualité en télévision. Et donc je voulais absolument pas montrer des images de Rec 709 parce que je trouvais que les verres du Rec 709 étaient abominables et qu'on allait être dans le vert à longueur de journée. Et je voulais qu'Antonin il ait des choses un peu plus agréables que ça à regarder, ne serait-ce que le soir ou directement sur le plateau, qu'on puisse avoir quelque chose de avec un rendu de peau intéressant. Enfin, donc, on s'était un petit peu battu avec la production pour avoir la caméra à ce moment-là pendant le repérage parce que ça voulait dire partir quand même 15 jours avec la caméra. Bon, moi, j'étais tout seul. On avait pu avoir l'optique du film qui est un zoom ingénieux parce qu'on aime bien faire des zooms aussi. Et on a tourné pendant 2 semaines avec la caméra. On a ramené quelques images qui ont même été utilisées pour le film, quelques petites images. Et puis, il s'agissait aussi pour moi d'accoutumer Antonin avec ce nouvel objet parce que c'est très particulier. On ne le charge pas. Il n'y a pas de boîte où mettre du film, enfin, c'est quand même très particulier, ça fait des objets un peu bizarres. Et à ce moment-là, il fallait qu'on franchisse ce pas-là, je pense. Oui, et puis c'est vrai que les caméras numériques, ce n'est pas beau. Donc moi, j'ai envie d'avoir une belle caméra. Enfin, je vois mal comment je peux faire un beau film avec une caméra hideuse. Donc c'est vrai que quelque part, au départ, j'ai envie de la voir, cette caméra, avant même de commencer les essais, à quoi ça ressemble. Voilà, ça paraît bête à dire, mais c'est quelque chose aussi de l'ordre du sensitif, en fait, pendant le tournage. Quoi. C'est-à-dire qu'on a envie d'aimer ces outils, en fait, finalement. Pour se familiariser avec... Et la pièce rapportée, vous l'avez faite en numérique? En numérique, ouais. Voilà. Et ça, c'était également un choix aussi, certes économique, mais disons que, comme je savais que le film allait avoir un côté peut-être un peu désuet à cause des décors, j'avais pas envie qu'il fasse trop années 70 en tournant en film. Donc, je me suis dit, OK, on va arrêter là. Et maintenant, c'est le numérique qui va prendre la place. Voilà. Mais bon, pour le suivant, j'ai pas forcément d'a priori. En fait, le sujet, des fois, est mieux en numérique ou est mieux en 16 mm. Et c'est vrai qu'il faut être le mieux possible en adéquation. Et bon, quand on n'a pas le choix, on s'y fait, hein, ce que disait Michael. Mais c'est vrai que assez rapidement, finalement, quand on commence à écrire le scénario, le choix du support ou même le choix du format arrive, en tout cas pour moi, assez tôt. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai jamais tourné en scope. Ce n'est pas plus une envie que ça que j'ai. Et c'est vrai que si on me disait, là, ce serait bien de faire du scope. OK, on alors laissez-moi une semaine, je relis tout le scénario, je réinvente le film dans ma tête pour du 2.35. Et justement, comme on parlait de ce qui se passait en amont entre vous par rapport à l'image, on se demandait, est-ce que ça vous est déjà arrivé que des désirs communs d'image soient un peu à l'origine du projet du film? Ou pas du tout, ou non, OK. On ne sait jamais. Désir commun, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, j'ai des désirs d'image qui donnent des fois un film. Oui. Mais commun, je sais pas. Mais pas forcément quelque chose dont vous auriez parlé effectivement. Je n'ai pas le souvenir. Non, tu commences par d'abord écrire un scénario. Enfin, non, c'est pas. D'accord. Alors, on va vous laisser maintenant poser des questions, s'il y en a. J'imagine qu'il y en a. Puisque le temps file vite et. Voilà, il nous reste une demi-heure, une petite demi-heure pour les questions. Bonsoir.
Moi, ma question, elle portait surtout pour les réalisateurs, c'était de savoir, au moment de la pré-production, à quel point on a le choix de ces techniciens, donc là particulièrement des chefs opérateurs. Peut-être qu'en France, on a plus de choix, par exemple, qu'aux États-Unis, mais voilà, je voulais savoir à quel point on avait le choix de son équipe technique. Pour ma part, j'ai toute latitude sur le choix de l'équipe technique. Enfin, il n'y a pas de, ça, c'est, on m'a jamais imposé quelqu'un. Voilà. Alors, j'imagine que c'est assez commun au type de film qu'on fait. Enfin, à la configuration de ces films-là. Mais je vois pas comment. Enfin, on pourrait m'imposer quelqu'un sur le. Voilà. On a cette chance-là au moins. En fait, on fait pas les films les plus fortunés du monde, mais on peut choisir. Et puis, non, ce serait absurde. Enfin, d'imposer quelqu'un, je pense. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé. Des fois, ça se passe bien, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, en fait, parfois, c'est complexe, par exemple, quand ça vient de la décoration, parce que, c'est un peu bête à dire, mais la personne à qui on va parler va écouter celui qui l'a embauché. Donc ça pose des problèmes, parce qu'à un moment donné, dans le film, dans le tournage, on va avoir des demandes, et elles ne vont pas être parfois prises en considération autant qu'on le voudrait quand on réalise, et simplement parce qu'ils se disent « bon, ouais, ça coûte trop cher » ou je sais pas quoi, ou « j'ai pas envie de me faire chier » ou des trucs comme ça. Et donc ça va être un point assez problématique dans le film. Maintenant, après, une fois, j'avais rencontré un collègue réalisateur à qui on voulait imposer un chef opérateur. Donc il n'était pas très content. Et il m'avait dit, en fait, je suis tellement désagréable que la personne préfère partir. Et je me suis dit, ça, c'est un bon moyen, en fait. Faut faire le réalisateur complètement givré, et la personne s'en va. Et finalement, on prend la personne qu'on veut. Mais, non, mais blague à part, ce sont des choses, en fait, qu'on apprend sur le tard. Oui, ça m'est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu absurde par rapport à ça. Oui, on fait avec. Alors, ça m'est jamais arrivé non plus, là pour le coup, avec des comédiens. Disons que j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais là encore, la méthode dont je parlais peut être assez efficace en préparation. En étant direct, enfin, en jouant carte sur table. On voit la personne, on lui dit « alors je te préviens, j'ai pas envie de toi. Bon, tu m'as été imposé. Ok, on va essayer de travailler ensemble. » Voilà. Bon. Et puis là, la personne, elle voit si elle reste ou elle part. Mais c'est vrai que ça met tout de suite quelque chose de malaisant pour le tournage et pour les rapports aussi avec la production. Donc ces discussions-là, elles ont lieu en général très tôt dans la production du film, hein, de savoir qui on prend, qui on prend pas. Mais en général, d'ailleurs, c'est fait de manière plutôt comme une bonne intention. Hein, c'est de se dire, tiens, bah voilà, tel technicien, il est vachement bien, ou tout ça. Ou de vouloir imposer des gens qui ont beaucoup de César ou des trucs comme ça. Enfin, il y a un côté rassurant, peut-être, parfois, pour la production, et qui, pour moi, en tout cas, n'est pas du tout rassurant. Parce que je sais que j'aurai pas une marge de manœuvre. Parce que, non pas que je vais réclamer n'importe quoi, c'est parce que des fois, je sais que au moment du tournage, je vais sortir des clous de ce qu'est, par exemple, un tournage. C'est-à-dire que là, par exemple, pour La fille du 14 juillet, bon, bah, voilà, on y va, on tourne au milieu des militaires, ou par exemple, il y a une grosse averse, donc on tourne quand même. Et c'est vrai que, entre guillemets, un gros film, il y a une averse gigantesque, tout le monde se replie, et puis on attend qu'il fasse beau et on y retourne. Moi, je me dis, bon, bah,
on est tributaire des intempéries. Essayons de tirer parti au maximum de ce qu'on peut. Et donc, si derrière, l'équipe, elle traîne la patte, bah, vous êtes foutus, quoi. Et c'est vrai que, et là, encore une fois, c'est un autre réalisateur qui m'avait raconté cette anecdote, c'est-à-dire que c'était à l'époque où il tournait en 35. Il avait eu un chef-op qui était imposé. Bah, à la fin de journée, elle était imposée. C'est-à-dire qu'à 17h45, on arrêtait de charger les magasins et puis de pellicules. Et puis à 17h55, les magasins étaient vides et puis c'était fin de journée. Il était hors de question de, d'avoir un magasin plein et de terminer à 18h05. Et donc ça, je sais que par exemple avec Simon, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est ça aussi qui fait que quelque part, on a tout intérêt pour le bien du film à choisir les personnes qu'on a envie de, avec qui on a envie de travailler. Mais parfois, le problème, je parle des comédiens, peuvent nous être imposés par un distributeur. Moi, par exemple, sur La Loi de la Jungle, il y avait un distributeur au départ qui ne voulait pas Vincent Macaigne. Il ne voulait pas. Donc, la discussion, elle a tourné très vite court. C'est-à-dire que pas envie que ce soit lui, on a envie que ce soit un tel. Et là, je fais, c'est dommage, j'ai écrit pour lui. Ah oui, mais bon, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Donc, j'ai perdu mon distributeur. Bon, on a trouvé un autre. Mais du coup, je me suis dit, si je commence là à accepter qu'on me dise, il faut prendre tel comédien, je savais qu'après, ça allait être jusqu'à la fin. C'est-à-dire, faut prendre tel chef-op. C'est Simon. Simon... il vivra sans toi, t'inquiète pas. OK. Et après, le scénario, tout ça. Et en fait, le problème, c'est que quand on fait des comédies, et donc là, en l'occurrence, des comédies d'auteur, souvent, pour que le film marche, fasse des entrées, en fait, pour les comédies, vous remarquerez, il faut vraiment asperger toutes les salles. Avec le film. Et c'est-à-dire que quand on... Et je sais, moi, depuis qu'on me l'a dit, je me suis dit, ah merde, je fais comme ça. Quand on voit que le film, il passe dans 5-6 salles à Paris, que c'est une comédie, je me dis, c'est bizarre, il doit pas être drôle alors, parce qu'il est pas partout. Et donc, pour avoir le maximum de salles dans Paris, pour vraiment faire le maximum d'entrées, ça veut dire que quelque part, il faut avoir des vedettes, et puis pour avoir un gros distributeur, des vedettes et un scénario quasiment mainstream. Et donc, si on accepte ça, ça veut dire que petit à petit, on finit par faire la comédie exactement comme on ne voulait pas faire. Donc, ça a un prix à payer. Voilà. Après, il y a quand même un chef de poste en général qu'on ne choisit pas, c'est le directeur de production. Et c'est un poste important. Oui, alors paradoxalement, sur La Loi de la Jungle et même sur la pièce rapportée, il y a eu un choix d'un commun accord. Donc ça, c'était plutôt effectivement une surprise, une heureuse surprise pour moi. Et puis après, il y a des postes qu'on ne choisit pas, tout simplement parce que des fois, la personne qu'on a envie n'est pas disponible. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple, à la décoration sur... la pièce rapportée où je voulais le même chef d'écho que La Loi de la Jungle, donc Yann Mégard, et en l'occurrence il était sur le film de Beauvois en même temps, donc j'ai pris quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Alors moi j'ai une question. Quand on est dans ces bulles d'osmose, qu'on a passé des mois de prépa et qu'on a la même vision d'un film, d'une même vision artistique, comment est-ce que vous gérez la notion de désaccord une fois qu'on est, comme tu disais tout à l'heure, au stade de l'idée et plus de la pensée, et qu'il faut réagir vite? Comment est-ce que vous avez des trucs et astuces, un espèce de dictionnaire, ou est-ce que vraiment c'est juste au feeling, au moment? Tu veux répondre? Est-ce qu'il y a je dirais que c'est pas forcément des désaccords, mais des problèmes. Je sais pas, on a prévu de faire ça, puis je sais pas, soit il n'y a pas le temps de tout faire, soit
je sais pas, un plan qu'on aurait aimé être en mouvement ne peut pas l'être, ou un plan ne peut pas être aussi large qu'on espérait. Voilà, c'est plus des choses comme ça qu'on peut être amené. Voilà, juste pour reprendre l'exemple, je me rappelle du tout début de Primrose, où voilà, tu voulais filmer la ville la nuit, et bon, en Super 16, la ville la nuit et les parcs et tout ça, c'est juste un parc qui n'est pas éclairé, c'est tout noir. Donc voilà, je me rappelle qu'on discutait sur la largeur du plan et qu'on s'était mis d'accord que finalement, filmer la ville de loin en longue focale en essayant d'avoir des valeurs larges mais prises de loin, ça permettait d'avoir plus de points lumineux dans le... Enfin, voilà, je ne sais plus, il y avait un truc comme ça qui faisait que... Donc c'était des discussions, c'était pas... Non, c'est plus effectivement des discussions sur la faisabilité des choses. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai une vision un peu abstraite. Je ne suis pas chef opérateur, je ne suis vraiment pas technicien, donc j'ai des fois des envies qui ne sont pas conciliables, je pense, avec parfois les moyens, parfois avec le réel. Enfin, le réel de ce qu'est un objectif. Et donc, on a des discussions autour de ça, voilà, plus que des désaccords, je dirais. Mais, En fait, je parlais vraiment genre sur l'instant T du tournage. Vous voyez, enfin, pas dans les discussions et les moments où justement on se met d'accord sur une chose. C'est souvent à l'instant T. C'est souvent des choses qui, par exemple, je sais pas, un moment d'orage, tout d'un coup tout s'assombrit et puis bah, comme on avait prévu d'être léger, bah, on n'a rien pour. Et c'est une séquence raccord. Enfin, on peut pas se permettre de filmer la pluie ou l'orage. Il faut essayer de. Voilà, c'est plus des contraintes voilà, avec lesquelles il faut composer. Ou bien je me rappelle, par exemple, pour ce sentiment de l'été, au tout début, on tournait donc en Allemagne, à Berlin. Et donc, pour chaque décor, en fait, il y avait à chaque fois des déambulations qui étaient prévues dans le scénario. Mais je me rappelle, tu disais, bon, ce serait pas mal... Voilà, on a vu cette rue, ce serait bien d'avoir aussi la rue d'avant et la rue d'après. Ce serait bien de les avoir qui déambulent en vélo, ce serait bien d'avoir... Et en fait, bon, bah, autant en France, il y a des choses qui sont faisables, autant donc, dans d'autres pays, c'est comme ça, c'est pas autrement. On ne peut pas filmer en vélo, sauf à bloquer complètement l'avenue. Donc, il fallait trouver d'autres moyens. Alors, bon, ça c'est vrai que c'était pas sur l'instant T, mais c'était la veille au soir pour le lendemain matin. Voilà, non, c'est toujours des... Et quand c'est sur l'instant T, ben, je dirais que c'est plutôt des histoires de valeur de cadre, de profondeur de champ ou d'axe qui ne sont pas possibles parce que, ben, je ne sais pas, par exemple, sur Amanda, on avait eu un décor très compliqué, un tout petit appartement qui était place des fêtes, surtout comme dont il parlait ce dont Michael parlait tout à l'heure, donc un décor choisi pour l'extérieur, c'est-à-dire pour son balcon qui donnait sur toutes les tours de la place des fêtes, mais donc un décor un peu ingrat à éclairer. Donc voilà, il y avait aussi des contraintes, là je dirais plus d'ordre de tournage pour pouvoir gérer les contre-jours et les... voilà, c'est plus des choses comme ça, d'aménagement. Mais en tout cas, c'est toujours un peu au dernier moment et toujours pris dans une espèce de tourmente, enfin, il me semble. Et puis, de toute façon, comment dire, comme le temps joue contre nous, j'ai l'impression qu'on on trouve toujours une solution dans la minute. Enfin, ça va toujours très, très vite. Et la friction vient peut-être, alors ça, là, ça fait vraiment thérapie, hein, peut-être de cette envie que j'ai de ne pas trop préparer et de laisser les choses advenir, et peut-être toi d'avoir, je crois, enfin, envie peut-être de plus en plus quand même que les choses soient peut-être décidées un peu plus à l'avance. Donc on est dans cette friction-là, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si je veux que ce soit plus préparé, mais non, mais en tout cas, oui, disons que des fois, parce que je vois, je me dis mince, mais quand même, si oui, après coup, à l'étalonnage, je me dis, mais si j'avais su, ou si, voilà, on aurait pu faire ça, voilà, donc
c'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte, je me dis, bon, mais bon, là, quand même, c'est dommage. Ça, là, je n'ai pas pu faire ça parce qu'il y avait tel plan, tel plan, tel plan. Et que si, finalement, on avait décidé avant que c'était juste cet axe-là et cet axe-là, c'était faisable très facilement. Bon, voilà, c'est... Mais... non, voilà. Ça, je pense que de toute façon, il y aurait toujours, même si c'était prévu à l'avance, il y aurait toujours ou ces problèmes de météo, ou ces problèmes de soleil qui sort. Il y aurait toujours ces petits moments de crispation, ou bien c'est un acteur qui n'y arrive pas et on fait 50 prises et donc. Tout le monde, voilà, il y a toujours des petits moments qui sont pas prévus. C'est voilà, c'est. Mais je trouve qu'il y a toujours, enfin, et c'est ça qui est bien, c'est quand on sent qu'il y a, je sais pas, une espèce d'énergie dans le tournage. Et je trouve qu'il y a toujours ça sur les films de Michael. Bon, on peut dire que c'est speed ou quoi, je sais pas, mais il y a toujours quelque chose qui fait que on s'arrête jamais. Enfin, il y a toujours, on trouve toujours une façon. Alors après, c'est sans doute coupé au montage. Enfin voilà, il y a forcément des tas de choses qui sont évacuées parce que c'est pas réussi. Mais je sais pas, on rebondit à chaque fois et même s'il y a quelque chose de raté, ben là, c'est nourrissant, disons, pour la séquence d'après ou pour celle d'ensuite. Ouais, moi ma sensation par rapport à ça, c'est que en tant qu'opérateur, on n'est pas les premiers arrivés sur le projet, on n'est pas forcément les porteurs de projet. Michael et Antonin, ils écrivent leur scénario et je pense que ça arrive d'ailleurs avec n'importe quel réalisateur avec qui on travaille. C'est des fois, on arrive dans une séquence et on se dit t'es sûr que tu veux faire ça comme ça ? Enfin, et au bout d'un moment, on se laisse emporter. Et je pense que ça fait partie de notre travail de justement essayer de saisir ce qu'on n'avait pas au départ saisi dans le désir du réalisateur. Je pense, et d'arriver à l'articuler. Moi, j'aime bien voir ma collaboration avec les réalisateurs comme étant une sorte de maïeutique, c'est un peu fort, mais il y a un peu, j'aime bien avoir d'abord une, j'aime pas avoir un réalisateur qui me dit qu'est-ce que tu vois comme image toi. Ben en fait, moi, je, ce qui me plaît de faire, c'est plein d'images différentes. Donc en fait, ce que j'ai envie de savoir, c'est que toi, qu'est-ce que tu vois au départ comme image, est-ce que ça réagit chez moi, est-ce que je peux t'apporter quelque chose, est-ce que je vais arriver à t'apporter quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on y arrive ensemble, est-ce que ça m'intéresse. Et je trouve que c'est vraiment, et cette espèce de fonctionnement pour l'opérateur, de se saisir du désir du réalisateur et arriver à le transformer. Avec Antonin, ce qu'on aime bien faire, c'est des gags quand même. On aime bien les scènes drôles, donc on cherche. Je sais, il écrit les scénarios avec une scène super rigolote et on arrive ensemble sur la séquence et je me dis, ah mince, comment on va faire. Je ne vois pas du tout comment on le filme. Il a une idée de départ, de comment on peut essayer de le filmer. Et on essaye tous les deux d'augmenter, d'améliorer, parfois de réduire les temps, d'essayer d'être le plus économe. Après, il y a aussi des sortes de surprises absolument extraordinaires. Dans La fille du 14 juillet, il y a une scène de repas. Il y a un personnage qui verse des louches de soupe dans une assiette qui est trouée. Et Antonin, c'était lui qui mettait la soupe dans l'assiette. Et on filmait l'assiette. Donc il met une louche. Je dis, ah, c'est super rigolo. Il met deux louches. Je dis, c'est super rigolo. Il met une troisième louche. Il met une quatrième louche. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, le gag, il était encore transformé par lui et de façon complètement impromptue. C'était vraiment, vraiment intéressant. Après, sur des séquences où je sens qu'on patauge, on cherche des idées. Mais le désaccord, je n'ai jamais vécu un vrai désaccord. Hein. Ou bien on ne mange pas ensemble à midi, et puis c'est fini. Quoi. Non, mais c'est vrai que, par exemple, pour le gag,
Moi, j'avais lu une fois une interview de Black Edwards qui disait que bon, bah, il faut sans arrêt revenir sur le gag pour le retravailler au moins 3 fois, quoi. Donc, c'est-à-dire à l'écriture, et puis après, c'est au moment du repérage où on fait les axes de prise de vue qui, enfin, on imagine les axes de prise de vue tels qu'ils ont été dessinés sur le scénario. Puis après, il y a le moment du tournage où encore il faut encore essayer de l'améliorer. Et donc, c'est vrai que, par exemple, pour la soupe, bon, bah, il y a le côté accumulation, évidemment. Voilà. Mais après, par exemple, ça arrive que j'arrive sur le décor et que je dise, voilà, la caméra, ça va être ici. Et puis, finalement, Simon, il me dit, bah non, moi, je pense que là, c'est peut-être mieux. Alors, tac, tac, on regarde vite fait. OK, on la met là et puis on tourne. Donc, la discussion, elle a lieu très, très vite. Et la prise de décision, elle a lieu effectivement très, très vite également. Et en plus, elle a lieu, alors, j'ai pas de combo, donc elle a lieu au pied de la caméra. Alors, au pied de la caméra, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça va plus vite, parce qu'il n'y a pas à se déplacer jusqu'au combo et tout le bordel. Mais l'inconvénient, c'est que parfois, il y a des gens de l'équipe qui sont pas habitués, qui ne sont plus habitués à entendre ces conversations où vraiment il y a la fabrication du plan, parce que ça se passe en général habituellement vers le combo, donc en toute discrétion. Et donc parfois il y a des gens qui sont surpris de ça, et qui, ça m'est arrivé, hein, notamment sur le dernier, où on me dit, mais je ne comprends pas, qui met en scène ? Bah, c'est moi, tu n'as pas remarqué ? Et donc tout ça parce qu'il y a... Non, mais tout ça parce qu'en fait, il y a une discussion, mais cette discussion, elle est inévitable, et j'en suis le premier satisfait. Parce que justement, c'est ça qui permet d'amener le plan vers le haut, quoi. Et que ce soit une discussion... De toute façon, la discussion, elle a lieu avec tous les corps de métier. C'est-à-dire que la discussion, elle a lieu, je ne sais pas, le matin, dans les loges, pour savoir si on met tel foulard ou telle cravate ou de telle couleur. Elle a lieu avec l'accessoiriste au moment où il pose les trucs. Donc, il y a un temps différent. Mais le temps de l'image, le temps où on filme, bah, c'est là où, effectivement, il y a une concentration des gens. Et forcément, ils entendent cette conversation. Et cette discussion et la prise de décision va très vite. Et donc, c'est vrai que si je dis la caméra, eh ben, c'est là qu'on la met et que finalement, on la met là, moi, j'ai aucun scrupule. Si le plan, il est mieux, aucun problème. Et donc, par rapport au reste de l'équipe et même par rapport aux comédiens, si un comédien me dit, eh ben non, moi, je préfère tel mot parce que je suis plus à l'aise, OK, vas-y. Et j'ai aucun scrupule. Enfin... Aucune honte si quelqu'un me dit, mais qui fait les dialogues? Alors, je ne comprends pas. Bah, c'est tout le monde. Enfin, c'est tous ceux dont c'est le boulot. Donc, le comédien, bah, si je vais mieux jouer avec ce dialogue, eh bah, il faut qu'il joue le mieux, quoi. Et c'est encore une fois ce truc de ce que je disais, de ne pas être un fondamentaliste du scénario, parce que, ah bah non, je veux tel mot et ce sera tel mot. Des fois, il y a effectivement des mots importants, mais finalement, et c'est peut-être une des premières leçons, je me rappelle, qu'on nous avait enseigné à Louis Lumière, un des premiers cours de Lumière, on nous avait dit, attention, si votre comédien ne joue pas bien, votre film, il part à la poubelle. La lumière, elle sera peut-être super, mais si le comédien, il est mauvais, c'est terminé pour vous. Donc, faites attention à ça. Il y avait une autre question aussi, même deux, je crois. Bonsoir. C'est une question à propos de la bulle également. En effet, hein, la bulle. comme vous avez l'habitude de travailler quand même en symbiose, est-ce que vous avez déjà eu du mal à faire adopter, accepter, soit aux acteurs ou à votre équipe, un choix de lumière ou de cadre assez radical, même s'il était argumenté, est-ce que vous avez du mal à le faire accepter ? Non, je crois, j'ai pas, ça me revient pas comme ça. Non, 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 c'est jamais arrivé. Accepter à qui en fait? Qu'est-ce que vous? L'acteur veut pas qu'on joue comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, en premier, j'ai pensé aux acteurs parce que je crois que ça arrive assez souvent qu'ils ne veuillent pas être dans l'ombre ou qu'ils veulent être plus filmés. Ah, ou... oui, okay. Ah. C'est plutôt un choix radical ou qui ne plairait pas aux acteurs. Je pense que c'est surtout aux acteurs. Ouais, ça m'est arrivé, oui, mais jamais sur les films de Michael. Mais ça arrive des fois, c'est très étrange. Et,
je trouve que c'est très, si je puis dire, non professionnel de leur part pour faire des choses pareilles. Mais je trouve ça même vraiment franchement scandaleux. Mais c'est jamais arrivé, je crois, sur tes films. Non, c'est le même chose pour nous, en fait. Ça ne nous est pas arrivé sur nos films. Il y avait une autre question, je crois, sinon... Je pense qu'il faudra que ce soit la dernière parce qu'on arrive en fin de séance. Est-ce qu'en dehors de la fabrication des films, sur des relations chef-op-réalisateur qui durent depuis des années, est-ce qu'il y a des choses, des routines que vous avez ensemble en dehors de la fabrication des films, comme aller voir des films ensemble au cinéma, voir des expositions, partager sur de la littérature. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui nourrit artistiquement tout au long des années votre relation ? Non, il se trouve que non, je ne pense pas spécialement, on ne se donne pas rendez-vous. Mais après, on en parle, bien sûr, ça peut arriver. J'ai vu ça, mais on ne se programme pas de... Non, pas pas réellement. Mais non, rebondir sur la question de la routine, bah, y a des belles choses dans la routine. Enfin, voilà, va dire une familiarité, enfin quelque chose qui permet d'aller plus vite, de faire des économies de mots. Mais c'est vrai que je m'interroge aussi sur la routine. Des fois, ça peut. C'est vrai que ça, sûrement que ça nous permet pas d'explorer d'autres choses aussi. Donc, faut faire attention avec cette histoire de routine. Comme dans tous les couples, en fait. Et est-ce que vous parlez quand même de temps en temps de films que vous avez vus et qui ont retenu votre attention et dont vous avez envie de vous parler ? Je crois que généralement, sur chaque film, il y a deux, trois films comme ça qui reviennent, de manière un peu même mystérieuse. Et puis voilà, je crois qu'on les garde en tête. Ça fonctionne comme une espèce de faisceau, enfin de lumière, mais pas vraiment. Enfin, moi, je réagis. J'ai pas beaucoup de. J'évite justement les références. Voilà, de trop mettre les films entre, enfin le cinéma entre mes films et moi, surtout au moment où on tourne, pour garder une espèce de toujours essayer de se dire, on essaie d'épouser l'idée qu'on se fait du mouvement de la vie plutôt que de répéter quelque chose qu'on a vu au cinéma. Mais voilà, après, je crois qu'à chaque film, il y a deux, trois extraits, deux, trois lumières fortes comme ça un peu qui nous parlent et qu'on garde en tête, voilà, et qui agissent comme ça un peu mystérieusement. On les reconvoque pas à chaque fois au moment du plan, mais ça arrive. Sur le dernier, je me rappelle plus, c'était ce film... Non, pas Costa Gavras. C'était quoi ça ? C'est avec le métro aérien là qui passait. Tu te rappelles pas ? Voilà, on a même oublié. Voilà. Mais je pense que ça c'est. Et en tout cas, ça pour rebondir aussi un peu sur ce que disait Simon. Moi aussi, je suis d'accord pour dire que c'est quand même toujours le réalisateur. Enfin, c'est toujours essayer de se plonger dans un univers, dans un scénario, dans des envies. Et donc, c'est quand même toujours... Enfin, c'est pas moi qui vais te dire, tiens, j'ai vu ça, ce serait génial que ton prochain film ressemble à, je sais pas, Apocalypse Now ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est non, jamais c'est, dans ce sens-là, c'était pas dans évidemment. Ce sens-là que je disais ça. C'était dans l'absolu, dans la ouais, vie, ouais, ouais. Tous les jours, quand il y a un film qui vous marque, est-ce que vous en parlez entre vous ? Oui, mais c'est toujours dans le cadre d'une préparation. Enfin, c'est plutôt des choses comme ça, quand même. Et après, au-delà de ça... C'est quand même Michael, soit que j'interroge, soit qui me dit, tiens, ça, ce serait intéressant que tu le vois pour telle et telle raison. Simon et Antonin ? Non, c'est vrai. Avec Antonin, on s'appelle de temps en temps et on se parle de films, mais c'est pas forcément dans le but d'une préparation. C'est vraiment juste pour partager, comme on partage un livre avec un ami, on lui dit, ben voilà, j'ai lu ça, c'est intéressant. Antonin, il aime beaucoup la photo 3D, moi aussi. Enfin, voilà, c'est vrai que de temps en temps, on s'appelle et on se parle de ça. Moi, j'ai la sensation aussi que je vois qu'il y a un public plutôt jeune dans la salle. Et si j'essaie un petit peu de revenir sur mes pas, et je me dis,
Votre question, en fait, ce qu'elle m'inspire, c'est le fait que je me souviens très bien, étant jeune, à être dans un émerveillement et une grande avidité de savoir, de découverte. Et c'est vrai que si j'essaie de réfléchir à la relation qu'on a avec Antonin, je pense que par le passé, on était beaucoup plus en interaction. Et c'est vrai que maintenant, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour s'entendre. Et les moments d'interaction qui étaient beaucoup plus prolongés auparavant, on était à l'école, quand on est sorti de l'école, on partageait beaucoup plus de temps, je dirais presque. Petit à petit, on se comprend, je veux dire, on échange très très peu et on échange beaucoup avec ce peu de choses. En fait, il y a une sorte de... J'ai l'impression que c'est une question de temporalité dans l'existence, que l'échange avec les autres, de ce qu'on arrive à glaner, comprendre des autres, c'est, ça agit différemment et ça prend peut-être un peu moins de temps, mais ça reste très prégnant, en fait, très important. Je ne sais pas si j'ai essayé de saisir votre question. Voilà, Antonin, tu voulais rajouter quelque chose ou... C'est à peu près effectivement ce que je voulais dire. Et donc, il y a, pour moi, en fait, je suis très demandeur aussi de complicité artistique comme ça sur les films, donc à tous les postes, hein, bien évidemment. Et donc là, c'est vrai que là, par exemple, sur le dernier long métrage, mais j'ai rencontré une assistante réalisatrice. Et c'est vrai qu'il y a cette complicité également. Enfin, je l'ai même rencontré sur le fameux court métrage en 3D, là, Panico Cella. Et donc, il y a aussi une grande confiance, c'est-à-dire que une compréhension mutuelle. Donc, c'est vrai que même avec Simon et donc Stéphanie, elle s'appelle Téchenet. Et donc, à trois, c'est vrai qu'il y a un renvoi de balles en fait en trio. Où il y a une confiance mutuelle, où on sait que quand l'interrogation elle est, et la réponse va être sincère et dans le sens du film et ne va pas aller dans le sens de « c'est plus simple de faire comme ça ». Donc après, on apporte une solution et on voit si elle est faisable ou pas. Mais disons qu'il y a un côté de sincérité et d'échange en dehors des tournages. Donc, après, c'est un coup de fil comme ça dans la semaine hein, pour savoir, tiens, qu'est-ce que tu penses de ceci, cela, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez inespéré et de très précieux quand on réalise des films. Et effectivement, au bout d'un moment, il y a ce côté routine dont on est tous finalement très méfiants. Parce que autant ça peut des fois servir pour aller plus vite, mais si la personne sait avant moi ce que je vais faire, je me dis bon, là il y a un problème, à quoi je sers quoi. Donc voilà, c'est à la fois bienvenu, mais à la fois considéré également avec méfiance. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, on essaye de casser la routine avec Simon en tournant un coup en relief, un coup en numérique, un coup en 16, un coup en 35, enfin de changer les habitudes de travail pour justement faire quelque chose d'un peu nouveau. Bon, alors c'est l'heure de conclure. Merci pour vos questions. J'espère que vous étiez intéressés et nourris par tout ce qui a été dit. Nous, on remercie bien évidemment nos quatre invités. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui étaient devant le live, mais on espère, voilà. Apparemment, on me fait signe que oui. Donc merci à tous d'être venus et puis bonne fin de soirée. Merci.